Bienvenue sur Fallout 76, toujours avec Peter. Donc aujourd'hui, hein, on va faire les mêmes choses qu'on a fait bah, les autres jours. Hein. Donc là, sauf toi, on a annoncé qu'on va faire des expéditions. On va peut-être les faire plus tôt, à place de les faire vraiment en dernier moment. Parce que franchement, pour les gens qui connaissent pas, ou qui sont en train de connaître le jeu, faites des expéditions le plus vite que vous pouvez faire. Vraiment. Parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. La première fois qu'on a été, on a ramené 13 objets à étoile. La deuxième fois, on en a ramené à peu près 12. Et en plus, c'est vachement varié. Donc vous gagnez des objets, des armes, et vous gagnez pas mal. Je trouve que moi, j'ai gagné, comme hier, j'ai gagné pas mal de comment dire, d'équipements d'armure assistée. Je sais pas ce que t'as eu toi, mais moi, j'ai eu pas mal de trucs assistés. Des En armes, plus, quelques armes. je t'en ai filé une en plus, c'était Ouais. la patte gauche là. Il y a... Ouais. Il me manque les deux bras et la tête. Ça Mais fait... j'aime bien l'expédition parce que c'est vachement... comment dire, c'est pas comme les missions qu'on fait tout le temps. Bah, les missions qu'on fait qui sont très bien, attention, hein. On va continuer d'en faire. Hein. Mais... Il y a les missions, des fois, ça peut être tout calme. C'est-à-dire, tu vas à un endroit, tu parles à la personne, tu reviens. Ou tu vas chercher un truc. Que là, on sait, à l'expédition, qu'on va cramer de la balle. On va là-bas, t'es obligé de tirer. Il y a pour l'instant, on n'a pas fait une expédition où on fait une partie de carte, quoi. La première, elle était très violente. La deuxième, elle était vraiment bien dans le casino. Ouais. Dans le casino, j'ai plus aimé que la première. Les deux, moi j'ai bien aimé la première, c'est qu'elle était bourrine. Mais la deuxième, ouais, non, elle était bien. Ouais, le casino était bien, c'est vrai, effectivement. C'est sympa le casino. Bah, je pensais pas au fait que c'était comme ça au début. Comme ils expliquent, on devait aller prendre des machines et en fait, c'est très vite parti en couille dans le casino. On s'est très vite retrouvé à se battre avec des gens, tu vois. Bon. Attends, je vais regarder ça. T'as dit qu'il y a une zone? C'est vrai qu'elle est où la zone nucléaire? Ben ouais, mais il n'y a pas de zone nucléaire. J'ai cliqué dessus, ils m'ont montré la section Canberra. Bah ouais. Et 41 minutes. Mais c'est quoi ce bug? Fallait me chercher de l'ultra-7 vite vite. Ah oui, bah dis-moi, que je viens avec toi. Comme ça, je vais en récupérer en même temps. Je suis dans la grotte. Attends, je prends mon armure. Comme ça, au moins, je suis protégé. Et j'arrive. Bon, je suis à côté de l'armure, magnifique. T'es où? Puis voyager rapide. Ouais, bah comme ça, tout ce que tu vas récupérer, je vais en récupérer. Et comme ça t'en fait plus. C'est comme tous les deux, on peut récupérer chacun de son côté. C'est plus rapide pour farmer comme ça. Ouais. Que si tu vas tout seul, bah t'auras que ta partie à toi. Bon. T'es dans une grotte, toi? Ouais. Toi, tu peux ressortir parce que je sais pas où elle est. Et dans le... avoir un gros... Ah oui, faut que je descende tout en bas. Ouais. Ah, mais y'a un mec. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais encore? Attends, parce que là, y'a tout le monde qui m'attaque, là. Il est où? Il va me prendre le coup, je... Il est où? Moi, je fais de l'action où il devrait pas en avoir. Je vais t'aider... Hein. Et pourquoi ils sont 15 000 en haut? Il m'arrive quoi? Il m'arrivait quoi? Ouah, 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 ouah. Rentre. Ça pue, ça pue, ça pue! Il y a une putain de chauve-souris qui attaque en même temps!
Va chier toi. Attends, toi tu veux jouer à ça? Moi aussi. Moi aussi. Tiens. Oh, elle est violente là, le couteau en fait. Le coutal. On y va? Ouais, c'est bon, je prends une batte contre une chauve-souris là. Mais ça... Oh, ok. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait tirer dessus. Par quoi? Il y avait un ennemi, je crois. Oh! Je me suis tiré dans le dos. Mais je comprends pas, t'as rien vu, moi. Je suis arrivé, ils m'ont bourré la gueule, moi. Je suis arrivé ben tranquille. Tout. Ah, j'arrive. T'as vu qu'il y a une boîte là? Ouais, c'est vrai. Je voulais aller voir. Comment je la prends? Bah, t'es un dieu, je vais pas arriver à l'ouvrir. Mais c'est quoi cette connerie? T'arrives à la prendre toi? Non. Ah, faut sauter. Colle tournevis. Saute devant et tu fais carré. Bah je sais pas si c'est carré pour fouiller toi mais... Moi j'ai eu un tournevis, c'est de la colle. Je saute pour ouvrir. Attends. Du petit camarade. Argent. Vas-y, je vais prendre le fusil, je vais le détruire. Alors. Arrête, Maïva. Ici. Attends, t'es où? Ça ressemble à quoi déjà? Ici. T'es où? Les grosses pierres qui allument. Ah, mais oui, on reprend ça, c'est vrai. Pourquoi il m'en fallait l'autre coup de ça, moi? C'était pour... Ouais, ou qu'on en a... armure, elle traçait. Ah, mais pourquoi j'avais pris ça pour mon armure? Qu'est-ce que je voulais foutre avec mon armure? Ben, pour faire des pièces, elle traçait. Ah ouais? Attends, parce que si on part de notre côté... t'es parti où toi, là-bas? Y'a rien à fouiller ici? Attends, y'a un truc là. Oh oui, y'a un truc, oui. Non, y'a rien. C'est une putain de mine de merde que j'ai eu. J'étais content d'avoir un coffre. Oh. Là, y'a une pierre, là, de la barbie. Une. Deux. Ouais, là, je l'ai. Les deux qui étaient là, là. Ouais. C'est des cellules de fusion. Oui. Les champignons, ils servent à quelque chose? Ah. Les champignons, on va faire la cuisine. Ici, il y a un ours qui débouche une toilette. Mais ça sert à quoi? Ah, c'est un délire, ouais. Je veux dire, les plus, ils servent à rien. Non. Parce que c'est souvent que je trouve des peluches comme ça, à tout. Donc, à un moment ou l'autre, je me pose la question si ça servait peut-être à quelque chose. Bon, c'est de la décoration. Putain, mais ils ont arrivé quoi, tous les robots, là? Vas-y, je vais les prendre, je les vendrai. Avant de partir, il faudra qu'on fasse le vide avant de partir. Le vide astral. C'est quoi, ça? Ah, une pioche, ouais, c'est ta pioche. Ah, là, il y en a une là. Regarde. Ah, non? Ah, non? Si? Ouais. Si, ouais. Dans le coin. Il y en a une, et de l'autre côté. Entre les deux. Les deux pierres. Ouais. J'ai pris. Ici, à gauche. Ah, je vais pas arriver à la prendre. Ah, c'est bon. À droite, il y en avait, t'as vu? Ouais, si je prends les trucs, je les vendrai.
j'en ai une ou deux, donc maintenant je peux en prendre 2-3 pour vendre. Je pense que c'est par là. Hein. Bon, en même temps, on a pas trop le choix, je crois. Ah, j'en ai vers moi là. Une dans un coin gauche et une autre dans le coin droite. Cartouche. Ça, c'est vrai qu'on était venu il y a pas longtemps ici. Ouh, la pâté pour chien. Non, attends. Dis-moi que j'ai... Attends. Il y a des bêtes des fois ou pas dans le jeu dans où on est là? Je crois que oui. Ah, j'ai pas de munitions. Je voulais tester de roquettes. T'as pas trouvé une ou deux munitions toi? De roquettes? Ouais. Je sais pas pourquoi tout le monde nous dit que la bouffe et la soif n'est pas très important dans le jeu. Alors si c'est pas très important, pourquoi on est tout le temps en galère de bouffe et de soif toutes les 4 secondes? C'est dingue. Il devrait faire bah tu sais quoi, c'est pas très important, bah au pire la bouffe et la soif descend presque pas quoi. Ah, y a une cassette en haut, je pense que ouais. Je n'aime pas. Je sais plus si je l'avais. Pas du tout. Ils veulent balancer une bombe ici. Si t'es bien hydraté. Ça donne 35% de régénération des points radioactifs. Comment le scientifique a... Ouais, voilà, donc ça joue quand même sur quelque chose, quoi. Ouais. C'est pas sa vie, c'est 35% des points de vie. Bah, l'autre, c'est l'autre qui venait sur mes lives, là, te rappelle-toi, là. Qui disait. Enfin, qui commençait à me commander, là. Et bah, c'est lui aussi qui arrêtait pas de me dire ouais, la bouffe et la soif, ça sert à rien. Chaque fois, hein. Chaque fois, je mangeais, je buvais. Pourquoi tu manges et tu bois? Bah, parce que je dois manger et boire. Bah, non, ça sert à rien. Chaque fois, hein. Du coup, je l'écoutais, j'avais pas le droit de manger et pas boire. Jusqu'au jour où j'en ai marre. Où je lui ai dit gentiment que j'avais le droit de jouer un peu comme je voulais. Il est parti du live. Je l'ai même pas insulté. Hein. J'ai juste demandé, j'ai dit mais... J'ai dit j'ai le droit de jouer un peu comme j'ai envie, tu vois. Une fois t'as rien compris, bah y'a pas rien compris. Tu me dis fais ci, fais ça. J'ai envie de jouer un peu comme j'ai envie moi. J'écoute vos conseils. Mais si j'ai envie de jouer comme ça, je joue comme ça. C'est le but de jouer en fait. Chacun qui joue à un jeu, même toi quand tu joues à ce jeu, t'as envie de jouer comme toi t'as envie. Ouais. Oui, on fait peut-être des erreurs des fois. Et oui, des fois c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'explique. Moi tu me dis un truc, je vais t'écouter. Mais après, derrière, même toi, si je te dis un truc, tu vas m'écouter. Mais derrière, tu vas vouloir faire comme toi, t'as envie aussi. Parce que c'est le but d'un jeu vidéo, tu vois. Au bout, il y en avait une. Tiens, là, il y en avait une. T'allais voir dans le fond de l'eau, il y a absolument rien. Il y a rien. Et non. Il dit chien pignon. Tu peux avoir des minerais. Si, je crois, il y en a pas une là. Ouais. Ouais, mais dans le fond de l'eau, il y aurait plus rien à voir. Ouais, ils auraient pu, ouais, c'est vrai. Parce que le fond de l'eau sert juste à nous mettre de la radiation, quoi. Et j'ai trouvé un roquette en pente. Mais là, on a tout trouvé, là. Je vais continuer avec ce passage ici. Ah, bah attends-moi. J'avais pas vu qu'il y avait un passage. Mais vas-y, il me faudrait une bête là que j'essaye. T'as vu comment j'ai fait pour pas le voir, moi.
On a rien loupé. Ah, c'est une bête, dis-le moi. Je veux tirer aux roquettes. Je veux essayer cette merde. Ah, y'a une pierre là, t'as vu? Ouais. Si c'est un humain, c'est encore pire. Je veux voir ce que ça lui fait. Se prendre un missile en pleine gueule. Mais c'est souvent, même sur des fois, je regarde ça, des lives de beaucoup de monde. C'est souvent que les gens veulent commander, tu vois, veulent faire comme les gens. Ils pensent qu'en fait on stream et c'est les joueurs qui font ce qu'ils veulent en fait. Et nous on écoute, non. Des fois ils comprennent pas que bah, quand tu joues aux jeux vidéo, c'est... Surtout moi, je demande pas aux joueurs de m'expliquer, bah, de m'expliquer si, mais je demande pas aux joueurs de jouer à ma place, tu vois. Tu demandes l'information et tu juges selon toi si c'est pertinent d'utiliser. Tout à fait. Et même, il y a certains jeux, là, faudrait que je regarde comment je dois faire. S'il y a des jeux, même, j'aimerais bien. Tu sais, il y a des jeux où même spoil, je veux pas qu'on me spoil, tu vois, que je découvre moi-même, tu vois. Parce que ça, des fois, t'en as des. Ils sont sans pitié sur ça. Hein. Je sais pas, on dirait que c'est une maladie pour eux. Tu sais, ils sont obligés de dire ce qui va arriver. Ah, il y a un rat là-dedans. T'as ouvert la porte pour le rat? Pour la il est mort? Le plastique, ouais. Attends, il a de l'engrais brut. Ah, tu prends les gamelles, toi? Je sais même pas. Ah, bah ouais, le plastique, ouais. Le plastique. C'est fantastique. Le caoutchouc, c'est super doux. C'était une chanson, je sais plus qui veut chanter cette merde. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, c'est super doux. Y'a un beution. Ok, ça ouvre juste une porte. Attends, y'en a là. Y'en a deux. Y'en a ici. Tu prends pas les chapeaux? Tes casques? T'es, bah, c'était ici hein, pendant ça. Que j'avais pas fait exprès, j'avais pris un casque, il l'avait mis sur la tête. Que j'étais avec l'armure. Ouais. C'est avec toi? Là y'en a une là, ouais. Où je suis. Vu que même toi tu m'as posé la question, tu m'avais dit mais pourquoi t'as un casque de chantier sous la tête? Je crois que j'en ai retrouvé une autre. Là-bas. Mais je suis comme toi, je regarde avant le bâtiment. Qui est très... Ah si, y'a quand même des choses là. Par contre, ça, tiens, j'ai une question, les gens. Pour les peu qui arrivent à rester, mais qui se barrent dans les 4 secondes après. Pourquoi vous cliquez sur mon pseudo en comptant que vous voyez que je joue à Fallout? C'est marqué dans le titre. C'est maintenant, vous pouvez plus tomber sur mon live, on coûte pas de chance. Donc, c'est vous tombez sur le live, vous voyez avant de cliquer. Donc, vous voyez que je joue à Fallout. Vous voyez que je. Bah, qu'on joue à 76, à 2. Ouais, en train de jouer à ça. Pourquoi vous rentrez pour sortir 4 minutes plus tard? C'est quoi, vous attendez en fait qu'on était en train de faire 70 000 morts? Après, des fois il y a beaucoup d'actions et des fois un peu moins, tu vois. Bah, on va en faire après, c'est juste qu'on se prépare en objet, surtout pour lui. Parce que lui il a besoin de balles d'extracide. Moi non. Un jour, faut peut-être que je passe le port. Attends, attends. Si, si, si. Il est où? Attends, je sais pas comment ça marche cette merde. Ça vaut pas le coup, tu m'as dit? Ouais, pour les petits robots. Bon, non, le roquette il va finir broyé quoi. Je veux dire, je veux pas le mettre en collection dans ma maison. Ouais. Après, je dis ça, mais peut-être le roquette bien monté, ça peut être quelque chose. Hein. Il y en a bien qui jouait dessus avec l'autre coup. Hein. Ouais. Après, allez, il y a peut-être un. Je sais pas ce que tu peux avoir avec un roquette. Est-ce que tu auras pas d'explosif? C'est déjà un roquette quoi. Je serais curieux d'essayer quelque chose par exemple. Je sais pas si tu as déjà vu ça. À un moment donné, la mode c'était de demander à l'intelligence artificielle de faire la meilleure arme classe possible. Mmh.
à Call of Duty. Ouais, ouais, j'ai déjà vu, ouais. Capable de faire la même chose pour faire là. Bah, tu sais que déjà tu peux trouver, je suis sûr que tu peux taper sur YouTube la meilleure méta dans Fallout maintenant. Je suis sûr que t'as déjà des gens qui ont fait des vidéos de ça déjà. Si j'en ai dit, ils sont bons là-dedans. T'as pas besoin de ça. T'as des joueurs, franchement, même sur Call of, surtout, t'en as des, ils sont vraiment bons. Hein. Ils sont bons dans les classes, et je sais pas pourquoi ils arrivent à trouver. Après, oui, mais il faut le trouver. Mais tu sais que le site que je t'ai passé là, le truc, la page d'internet là. Ouais. Opera, je sais plus comment il s'appelle là. Et bah, en parlant de ça, sur PC, parce que sur téléphone je l'ai pas trouvé, mais si tu l'ouvres avec PC, il y a un chat GPT. Qui est gratuit, hein. Ah ouais. Donc, si t'as un PC, regarde-y avec ça. Tu télécharges Opera là. C'est Opera GX. Et t'essayes. Peut-être que, ouais, il. Je sais pas, parce que Call of. On va dire Call of, t'as quand même beaucoup de monde qui joue. Donc t'as du monde qui parle des armes, t'as beaucoup de vidéos des gens qui disent ouais cette arme là je l'aime, donc le ChatGPT je pense qu'il doit prendre ce que les gens parlent. C'est, il doit pas créer une arme, il doit voir qu'il y a peut-être 2000 vidéos qui disent que la MP5 elle est super, un exemple hein, je connais pas les armes dans Call of, hein. Que la MP5 elle est super avec ça, et elle doit faire tout un total de tous les joueurs qui disent quelle arme est à peu près la mieux, quelle accessoire est mieux, et elle doit faire un classement de tout, tu vois, et après elle te dit quoi faire. Je pense que ça doit être comme ça. Et Fallout, le problème c'est qu'il est moins joué quand même qu'un Call of. Après, ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé. Toi, t'en regardes des vidéos, toi? Du jeu? Pas tellement. Non, c'est vrai que moi je regarde même pas. Avant, quand j'étais plus jeune, je regardais tout, même encore des fois. Il y a beaucoup de fois, il y a des jours où je regarde, et c'est vrai que Fallout, j'y pense même pas. Mais c'est vrai que j'ai gagné un peu moins. Je regarde beaucoup de vidéos de jeux, de certains jeux, mais je regarde moins de vidéos comme avant je faisais, tu vois, si je jouais à Fallout, ben je vais regarder plein de vidéos de Fallout. Mais c'est vrai que là ça fait longtemps que j'y fais plus, faudrait que j'y regarde. Par contre, faudrait qu'on y regarde. Faudrait déjà regarder avec, si on trouve des vidéos de méta. Tu tapes méta des armes, tu vas en trouver, je pense. Hein. Après, le problème c'est comme je dis, le jeu commence à avoir un petit peu de temps. Donc, est-ce qu'on trouvera une méta de maintenant? Je sais pas. Après, quand il va sortir sur PS5, il y a des chances. Parce que quand il va sortir sur PS5, tout le monde va le reprendre, tout le monde va y rejouer. Et là, t'auras sûrement une vidéo de la nouvelle méta qui est bien pour faire ci, pour faire ça, tu vois. Bah, bref, faut ce que tu tapes, hein. Faut trouver plus facilement, tu tapes ça. Quand tu cherches Call of ou n'importe quoi, tu tapes méta. Tu mets nouvelle, meilleure méta de. De la mise à jour, bah tu tapes, je sais pas, tu as un comme Call of Duty, tu tapes Warzone, nouvelle méta de la 1.25, ils vont te trouver, je sais pas quel point ils sont, je sais pas quelle mise à jour ils ont, mais il va te montrer les vidéos de cette. Là, tu me donnes envie d'y regarder, là, mais mes téléphones ils sont pris. Mais tu vois, le truc qui me trouve bizarre, c'est qu'on a. J'ai quand même. Je dis pas que j'ai des millions de personnes qui me regardent, mais j'ai beaucoup de personnes qui me regardent quand même. Tous les soirs, je tourne entre. Bah là, pas tous les soirs, mais souvent, je tourne entre 5-6 personnes qui me regardent. Tu vois, comme là, regarde, on est encore à 5. Bon, après, la personne, je suis sûr, elle doit rester 2 minutes. Mais on tourne entre 5 et 6. Sur YouTube, j'ai plein de monde qui regarde mes vidéos. Tu vois, toute la soirée, on va tout le temps être entre 5-6. Donc, même si c'est pas les mêmes, ça change le temps. Mais il y a jamais personne qui nous en parle. Toi, t'as très peu de personnes qui va nous dire salut, tiens, vous jouez à ça, à ça. Mais on n'a jamais une personne qui nous dit ouais, tiens, vous jouez à ce jeu trop cool. C'est toi qui nous parle de la nouvelle méta, j'en sais rien. Tu sais, on dirait que les gens sont plus passionnés comme dans le temps dans les jeux. Moi, je me rappelle quand je regardais des vidéos, des streams de jeux dans les chats, les gens ils étaient putain de passionnés. Tu vois, ils tombaient sur un streamer qui jouait à un jeu, les gars, je te jure, on dirait qu'ils parlaient de leur vie. Ah, tu joues à ça, t'as vu, gars, si tu fais ça, c'est bien, tu prends ça. Tu vois, maintenant, les gens, ils sont bas les couilles. En même temps, ça les intéresse même plus. Je sais même pas pourquoi Twitch marche encore vraiment. Les gens, regarde, toi, on en parle, regarde. J'étais monté à 5, on est repassé à 3. Les gens, ils ont pas de. En fait, le problème de Twitch, c'est comme je dis. Moi, je suis tombé dans la génération à la limite, vraiment. On va dire, demain, toi, tu vas te mettre à streamer, je te le déconseille. À part si t'as une putain d'idée de malade. Autrement, je te déconseille. Parce que le problème, c'est que maintenant,
c'est super dur. En fait, si tu fais pas du GTA RP ou tu fais pas du Warzone et t'es un putain de joueur, personne te regarde. T'as plus comme avant. Moi, je te parle de dans le temps, on commençait tous à avoir des téléphones, internet, tout, et t'avais Twitch. Tu cherchais un jeu, tu vois, je sais pas, regarde, on parle de Dead in Light, comme on parlait tout à l'heure, je t'ai parlé. T'as envie de savoir ce qu'il donne le jeu, t'allumes ton Twitch, tu tombais sur au moins 2-3 streamers qui streamaient à ce jeu-là, et tu pouvais savoir à quoi il ressemblait. Maintenant, va sur Twitch et tape Dead in Light, tu verras. Il y a presque très peu de streamers dessus. Est-ce que tu veux continuer? Il y a une sulfurie qui va sortir. Ouais, et oui, je me rappelle, et, mais il y en a pas mal ici, donc oui. Il y a des pierres à droite là-bas, t'en as derrière là-bas, donc ouais, on va la démonter. Elle va apparaître là, là. Elle est devant moi. Vas-y, je vais tirer déjà un roquette dans la gueule. Elle est morte. Non, je rigole. T'imagines ? Bon. Bon, le roquette, il lui a fait gratouiller la cheveux. Hein. Allez, go ! Ah, elle a disparu ! Pourquoi je vois pas sa vie ? Pourquoi je vois pas sa putain de vie ? Ouais, mais est-ce qu'on lui fait du mal ou pas? On n'y a rien. Ah si, c'est bon. Ah, ça a bugué. Parce qu'il y a 2 secondes, je viens de voir sa vie pleine. Plus rien. On a de la compagnie derrière. Ouais, et devant aussi, t'inquiète. Ah! Ah! Mais ouais. En revenant de ça, ouais. Pour moi, la nouvelle génération de consoles est beaucoup moins passionnée qu'avant. Je te dis, c'est la nouvelle génération, c'est beaucoup de jeunes déjà. Et je suis désolé, c'est quoi? C'est Call of Duty, Warzone, un peu de Fortnite, du Rocket League et du GTA RP. J'aime beaucoup un GTA RP, hein. Mais je veux dire, t'as... c'est bon, il y en a assez des streamers de GTA RP. Tu vois, moi le but d'un streamer pour moi, c'est de découvrir des jeux. C'est bon, GTA RP, Call of Duty, on le connaît, tu vois. Je comprends pas que les gens soient encore autant hype sur ça, tu vois. Je sais pas, moi pour moi, Twitch, vraiment, hein, pour moi, le vrai Twitch, ça sert à découvrir des jeux vidéo. Tu vois, tu sais pas quoi faire ce soir, tu te poses sur ton petit canapé, t'allumes Twitch. Tu regardes un peu les streamers et tu découvres des jeux. Et tu vas sur un mec, ouais. Tu le regardes jouer. Tu dis, ah putain, il est bien ce jeu. Et à la fin du compte, bah tu t'abonnes à lui parce que ça t'intéresse. Mais grâce à lui, t'as connu un jeu. Maintenant, c'est plus comme ça Twitch. Maintenant, ils cherchent le meilleur joueur de Call of ou le meilleur joueur de ci. Et les gens sont tous dessus. Pour ça, un débutant, un mec qui commence Twitch maintenant... Il a pas de chance, le gars. Vraiment. Moi, je pense que je suis arrivé à la fin, moi. Et même, je pète beaucoup plus sur YouTube que sur Twitch, moi. Vraiment. Là, je te dis, demain, tu commences Twitch, tu verras comme ça va être méga, méga long pour toi, pour être affilié à Twitch, hein. C'est dommage. Mais ça. Et c'est les gens qui vont tuer Twitch. C'est pas Twitch qui se. Que les gens disent ouais Twitch il craque. Les gens ils arrivent plus à gagner de l'argent avec. Si si. Mais c'est les gens qui détruisent Twitch. Parce que c'est. Bah déjà les gens s'en intéressent moins en moins certains. Il y a toutes les personnes qui ont pris de l'âge comme nous et qui s'en foutent Call of. Bah pour moi je m'en fous de Call of. Bah Twitch, bah t'en as marre. Parce que qu'est-ce que je m'en bats les couilles de Call of? Y'a que ça. Alors je fais quoi? Moi je regarde quoi? Comme y'a que du Call of, moi j'ai pas envie de regarder Call of, tu vois. Donc heureusement que j'ai Thomas, que ça fait des années que je regarde et qui fait du GTA RP et que j'adore ses personnages, donc je regarde lui. Mais autrement il aurait pas là, bah franchement je te dis, Twitch il me servira plus à rien presque. Que pour moi quoi. Mais il me servira à rien autrement. Parce que j'ai pas envie de regarder des gens Call of, j'aime pas Call of. Toi tu joues à Call of toi? J'ai déjà joué, mais Bah moi aussi j'ai joué. C'est rendu trop comme Fortnite, je trouve. Ouais, moi aussi j'ai joué à Call of. J'ai aimé Call of.
moi j'ai été un gros gros joueur Call of, hein. On a fait des petites compètes avec des potes à Call of, hein. Quand je te parle de toi, c'est vraiment que j'ai joué avant. Toi, j'ai acheté ma PS3, pas ma PS4, mais ma PS3, je l'ai acheté pour Call of. Je jouais qu'à Call of, je passais du matin au soir à Call of quand je travaillais pas tout. Mais quand ils ont commencé Warzone, j'ai joué un peu à Warzone 1, j'ai arrêté, ça a été fini. Ça m'a saoulé Call of, tu vois. Maintenant c'est que Warzone, Warzone, Warzone. Même le zombie que j'ai beaucoup aimé, c'est nu à chier le zombie. C'est un zombie Warzone. C'est les Call of, c'est nu mort. Ça m'intéresse plus du tout, tu vois. Bon. J'en trouve encore plein. Hein. Ouais, je sais pas si t'as fait tout le tour. Donc maintenant, ouais, Call of, c'est fini pour moi. M'intéresse plus. T'as, y'en a une en dessous son aile là, comment je fais? T'as, je suis obligé de prendre sa merde. Comment on se baisse déjà? Comme ça. Mais je peux pas la prendre? Alors ça, c'est con ça. T'as pas une balle explosive? Attends, si j'en ai moi, attends. Mon pompe. Ah non, mais pour essayer de bouger son aile. Ça marche pas? Mais comment tu fais? T'arrives à la prendre toi celle-là? Je l'avais. Là, la garde vers. T'as vu vers moi? Je l'avais il y a deux secondes. Je l'avais encore. Là. Je l'ai. C'est bon. Ah, ça a l'air, oui. Je l'ai pris. Ah, j'arrive à la choper là, c'est bon. Bon, bah voilà. Hein. Ah, attends, il y en a une autre. Je crois que j'ai vu une autre. Non, il n'y en a pas une autre qui s'est allumée. Où? Continue. Ah là-bas. Ouais, j'ai pris là-bas. Ah bah toi, j'en ai oublié une là. Toi, des fois, c'est bien de faire un deuxième tour. Putain, on trouve des morceaux d'armure assistée, mais on peut pas récupérer la main, hein. Ça, c'est bête. Putain, j'avais joué à un jeu, moi, qui était classe. T'as connu The Surge? Ils ont sorti le 2 après. The Surge est excellent. En fait, c'était un jeu où tu devais éclater des robots, des trucs comme ça, des monstres, tout. Et tu vois, en fait, tu t'équipais. Si j'avais besoin de la jambe droite de mon armure, bah, je découpais, je tirais dans la jambe droite d'un monstre et je récupérais sa jambe droite. Ah ouais, et j'avais besoin d'un gant gauche. Et bah, fallait que je pète la main gauche pour récupérer son gant gauche. C'était énorme, je trouve. En fait, il fallait que tu casses l'endroit où tu voulais récupérer l'armure. Mais il était dur aussi. Hein. Peut-être que maintenant, j'y arriverai plus facilement. Mais dans le temps, il était dur. Quand j'étais plus jeune, ouais, il était quand même pas mal ce jeu. Bon, en fait, un jeu où tu t'avances et tu dois verrouiller des boss. Mais ils étaient pas faciles. Tu les sentais passer les boss. Hein. Bon, on a fini là? Ouais. Attends, t'en trouves encore? Si je te vois partir là-bas. Ah oui, y'en a là où t'es. Ah oui, y'a un. Ah mais oui, ça me rappelle dans cet endroit. Y'en a 4. Toi, bah heureusement. Heureusement que je suis pas parti. Mais je me rappelle trop d'ici. Mais pire, c'est que je me rappelle plus pourquoi j'étais. Il m'en fallait vraiment, moi, tu me dis pour mon armure, mais. Mais je me rappelle même pas pourquoi j'en avais pris pour mon armure. C'était pour fabriquer les pièces de l'armure et le principe. Mais je les ai déjà les pièces. C'est ça, je comprends pas. Pour le jetpack. Ah non, le jetpack, je peux pas le faire à cause qu'il me faut les merdes là. Attends un petit peu, justement. C'est encore là. On pourrait remonter à la surface. Et je crois que les pépites étaient. Bah, les ennemis étaient toutes. Il y avait de la radiation. Ah ouais? On pourrait peut-être trouver ce qui te manque pour la. Bah, c'est ces plantes de merde là, mais chaque fois je les détruis les plantes. Parce qu'il y a pas de. Il périme. J'ai même pas pu venger mes garçons. Il te manquait pas des masses renforcées, des masses. Non, il manque juste de quoi faire les deux plantes. Les deux trucs là, les trucs mauvais et les machins. Il manque juste ça.
5 ou 10 chacun, je sais plus. Non, mais j'ai tout le reste. Des fluides hautement radioactifs. J'ai tout le reste en haut, mais il me manque juste de... les deux trucs en bas là, les deux machins. Après, je sais pas ce qu'il faut pour faire ça. Mais il manque juste ça. Autrement, j'ai tout. Il manque les deux trucs là. Je clique dessus, j'ai les. Ah, il y a encore des trucs là. Bah non, mais tu ne vas pas monter. Eh non, mais il faut qu'on appuie tous les deux. Putain, j'ai cru que tu montais. C'est vrai, j'ai oublié. Vous me manquez tous tellement. Ah oui, t'as pas vu, attends. Je vais juste voir vite. Voir si les ennemis ne pourraient pas donner quelque chose de bon. Regarde. Attends, regarde mon écran de zone. Regarde. Il est comme ça, le viseur. Oh, ok. Et de jour? Bah, de jour, ça fait ça aussi. Ok, tu vois quand même bien, tu vois pas. Ouais, tu vois, ouais, tu vois quand même. Ouais. T'es pas dans la galère totale, tu vois. T'es où là? Je vais voir quelque chose. Le fugitif tente d'échapper. Après, il manque du dégât un peu, quoi. Mais ça me fait chier parce que j'aimerais bien en trouver pour avoir les pièces. Ce qu'il m'en faut quand même pour tuer un monstre. Oh bah d'accord, j'ai tué un repos, j'ai rien gagné. Il y avait rien dedans. Mais c'est par où? T'es parti dans le bois? Non, non, non. Juste dans les plaines. Qu'il est dedans l'autre. Et toi, il fallait des champignons, c'était pour faire quoi les champignons? C'est pour faire mes flux fluorescents pour mes balles. Il t'en faut encore là? Non. Je suis bon pour quelques temps. Mauvaise idée. Mais j'étais un pote, t'es. Mais tu te bats contre quoi toi? Lesquels tu me gagnes des sous? 63. Ah non, y'a un mec qui m'achète des trucs! J'ai cru que c'était toi! Il m'achète tout! Il est en train de tout m'acheter! Il a déjà fini! Continue! Qui t'a dit d'arrêter? Voilà, merci! Encore! Et il m'achète vraiment tout! Hein. Mais c'est toutes les recettes. Ah, il a besoin de recettes. Il m'a acheté toutes les recettes, le mec. Achète l'arme à 5000. Je la donne. Non, combien je l'ai mis? Non, je l'ai pas mis à 5000, mon arme. 1000? 1000, je crois, ouais. Ça vaut 1000. Je la donne. Bon, je la donne vraiment, hein. Parce que moi je l'ai payé 3000 hein, et c'était exactement la même que la mienne. Hein. Après j'aurais pu l'améliorer, mais là je l'aurais vendu beaucoup plus cher. J'ai des baies explosives, c'est quoi? Si je la mange, elle m'explose à la gueule? J'avais pas envie d'exploser alors. Toi qui fais des grosses boules vertes là-bas? Ouais. J'ai une soufflerie après moi. Juste une expédition qui devait être bien simple parce que ça a pris des gens en couille.
En même temps, ici, c'est obligé que tu te bats contre une sulfurie. T'es dans le terrain des sulfuries, tu pensais quoi? Ouais, c'est plus les calcinés dans ta vie. Là, j'essaye de t'aider, hein. Je te prends pas tout seul avec, hein. Et t'as pris un bon temps là. Ah, je suis en train de la brûler là. Fais tout le temps de vie là. Allez, on peut la tuer. Putain, j'arrive pas à la tuer, hein. Mais elle bouge trop. Ouais, c'était trop mieux, c'est chiant ça. Bah, elle atterrit jamais, elle. Je trouve qu'elles sont à l'air, elles ont plus de vie. Elle est où? À part m'éclater la gueule. Elle est morte là, normalement. Voilà, elle est tombée comme une grosse merde. Elle a rebondi tellement qu'elle est tombée. Qu'est-ce qu'elle donne de beau, elle? Un cerveau de sulfurie, ça sera quoi? Une jambe de... Hein? C'est une quête quotidienne. Ah ouais? C'est pour, pas très payant. J'ai des verres aussi. T'as quoi? Des verres aussi. C'est quoi toi? C'est une maladie. Ah. Ah bah je dois l'avoir aussi, je pense. T'es rentré comment là-dedans, toi? Il y a une porte. Ah oui, il y a une porte, effectivement. C'est quoi ça? Fusil laser, je le prends, je vais le détruire. Putain, il a déjà fini d'acheter l'autre. C'est pas drôle. Ah, il m'a quand même acheté, je sais pas, peut-être 10 plans. Une gun. Non. Il a... Hein? Ah, t'as trouvé un minigun! Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Putain, ça m'en faudrait de ça! Comment j'étais censé savoir? Pour gagner les pièces! Il pèse dans les... T'as trouvé ça où? Génie, ça attends! Cool. Ouais, parce que ça, en fait, si je détruis, il y a peut-être moyen de gagner les pièces pour fabriquer, pour changer les miennes! Bien vu! Et dis donc, je te rappelle que c'était ton idée de les ramener au paladin Taggerdy! Le problème, c'est qu'il m'en faut beaucoup pour en trouver de ça! Si des fois t'en détruis une, tu gagnes rien! Je ne t'ai pas dit de le faire, j'ai juste dit que ce serait super si la confrérie pouvait les récupérer dans son arsenal. Écoute, peut-être qu'on pourrait en chercher un autre là, pour essayer de sortir de là. Module de jet de flamme supplémentaire. Déjà, ça voudrait dire qu'on abandonne notre poste. Et ensuite, est-ce que tu sais seulement s'il y a d'autres véhicules blindés qu'on pourrait utiliser par ici? Non. Bon, bah, allez, ouais, comme tu dis, désolé, les zones. On va faire les autres trucs. On peut plus y faire grand chose. On part en aventure. Écoute, ces tours de garde à rallonge nous mettent tous à cran. Pourquoi tu dormirais pas? Il y a un voleur chez moi. Prends la première garde. Il va prendre peur, le gars. On va arriver tous sur lui là. J'ai rien volé. C'est lui qui place les mannequins. Il fait la blague. Il doit visiter, je pense. Parce qu'il l'a acheté, il est toujours chez moi. À part s'il utilise mes tables. Mais je vais mettre une boîte, faut qu'il paye. Hein. Tu utilises mes tables, tu payes. 25 pièces la minute par la table. Merci, Foller. T'es le meilleur. On est où? J'en ai marre d'apparaître dans l'eau. Des fois t'apparais dans l'air, mais j'apparais souvent dans l'eau quand même. Parce que je voulais juste vérifier aussi. J'ai remarqué hier dans la boutique que j'avais beaucoup de peinture pour les armes. Mais... Ah ouais? Putain, t'as de la chance toi? Ouais. Bah attends, bouge pas trop loin, que je te file tes trucs là. Il est où le mec?
Il est parti ? Il est parti ? Il a eu peur ? Alors c'est où ça ? C'est dans divers minerais du classique. Qu'est-ce que je viens de faire ? Non, c'est bon. Divers. C'est le plan aussi. Le plan quoi? Est-ce qu'il me reste du plan pour faire des balles? Je sais pas si j'en garde un peu de minerai. Tu penses que je devrais en garder un peu de minerai ultracide ou je te file tout? C'est comme tu veux. Il m'en restait une vingtaine. Vas-y, bah, je vais garder mes 20. Attends, je vais te redonner 6 de plus. Jeter. Comment? Je sais plus si je dois mettre 6 ou 26 pour garder là. Je me trompe jamais de côté. Là j'en ai 26, je vais t'enfiler 6 de plus sur les 30 que je t'ai donné. Mais est-ce que je dois mettre 6 ou 20 là? Là si je mets 6, il jette que les 6? Ouais, je vais faire 6. C'est bon. Tiens, comme ça je vais garder mes 20 que j'avais et je te donne tout le reste. Après, si t'as encore besoin, je peux t'en donner un petit peu, hein. Mais normalement, là, je t'en ai filé 36 de plus, là. Plus tous les tiens. Est-ce que je me rappelle qu'il me restait 20 parce que j'en ai une qui... Bah, j'en ai 21 normalement. Parce que j'en ai une en déco en haut. Ouais, c'est ça. Elle est toujours là-haut. Ah, putain, je t'aurais tout donné, je l'aurais perdu. Ah, bah non, peut-être pas. Bon, on va détruire les conneries là. Voilà, pistolet. Munition ultra sec. Mais t'en fais combien en fait? Ça en fait beaucoup ou pas? Parfois, ça m'en donne 431. Et là, okay. Tu vois, je peux en faire 4 avec le plomb que j'ai. Ah, mais c'est comme l'autre arme que j'ai. En fait, c'est style, t'en as 4, mais ça t'en fait 400. Non, j'ai pas compris. Non, là, ça va. 4, ça va m'en faire 2000 quelques. Ok. C'est 4 fois moins ça. Ouais, comme les trucs en fusion. J'en ai 4, mais ça m'en fait beaucoup plus que ça quand je les ai. Ben, dans le fond, à chaque fois que tu en fais un. Mettons, tu les fais individuels, ça t'en donne 431. D'accord. Là, ça va. J'ai fait 431 x 4. 1700 et... Je peux mettre une lunette sous le rocket? Vraiment? Une baïonnette? Non, mais la baïonnette, elle sert à quoi sous le rocket? Après, si, on rigole, mais c'est vrai que quand t'as un monstre qui est prêt, tu vas pas tirer un rocket, quoi. Moi tu t'exploses la gueule, donc ouais, tu peux mettre un coup de baïonnette. C'est pas si con en fait. On rigole, mais c'est pas si débile, hein. Bon, après le rocket, hein, c'est... Ça reste de la merde quand même. Allez. Voilà. Je regarde en même temps si je dois réparer... De l'arme. De la mare. Putain. Pas ça. Oh, j'ai cru que j'avais fait le con. Oh, je me suis fait peur tout seul. Voilà. Qu'est-ce que je voulais regarder de plus? Oui, ranger. Voilà. Normalement tout est rangé correctement, nickel. Pas plus, pas moins. Le temps que tu fais tes trucs, je continue de faire ça vite fait. Vendre. Je n'ai pas beaucoup à faire. Mais je vais les vendre. Ah, j'avais fait un bon vide, hein. Alors attends. J'arrive pas à voir ce qui est marqué en bas. C'est carré, je crois. Non. Vendre. Ouais. Je vais le mettre à... Comme j'avais mis. 45. Très bien. Donc
50 lettres de taupe minier. Ça, c'est de la merde. Ça, regarde, je vais le mettre à... Ah, il vend 450 le gant, quand même. Putain, ça rigole pas, en fait. Ça reste une arme, hein. Et moi, comme un con, j'y vends 50. Ça, je devrais y vendre plus cher, parce que... Une arme, c'est plus cher, normalement. Mais je m'en bats les couilles, c'est des gantelettes de merde. Un jukebox, je vais pas le vendre... Oh, ça se vend 100$. Ok. Un t-shirt, on s'en fout. Ça, ouais, voilà. Attends, on va vraiment le mettre à... À 25. On s'en bat les couilles de ça. Ça... Ouais. C'est quoi ça? Ah, une recette. Putain, il a reçu le mec, regarde, je lui en donner une de plus de recette. Oh là. Toutes mes trucs sont vendus. Mais ils sont à vendre. Oh, mais attends, mais j'ai des plans. Il y a des plans qui tombent tout seuls, je te jure. Et j'ai tout lu hier. Ok, on arrêtera de te faire perdre ton temps. Ah, mais j'en ai qu'un seul. Un plan, un brassard droit en métal. Je l'avais pas. Ok. J'ai plus rien. Ouais, pour finir. Pour finir. Deux. Une peinture prise d'un ciel sur mon armure SP. Mais comment tu fais ça pour changer les peintures des armures? Tu vois dans le... Dans le réparateur? Ouais. Mais il te faut l'armure? C'est... Ouais. C'est des peintures. Ah, attends. Tenue. Pas tenue, armure, je sors mon armure normale, celle-là, là. Je la cale devant, c'est autrement les débiles. Là, je mets quoi? Modifié? Oui, modifié. Vas-y, attends. Et pièce par pièce, tu vas voir dans les peintures. Alors, attends, on va faire les... X, peinture. Ok. Alors, je peux la mettre en standard. Ou je peux la mettre en bleu cyan. En fait, j'aimerais bien voir toute la tenue à quoi elle ressemble. Après, il y en a une, je vois pas. Peinture du 18 ans. Mais je vois pas c'est quoi. Je te jure, je j'arrive pas à voir. Peut-être que ça va aller mieux si tu changes la couleur du bleu. Attends. Parce que là, c'est la jambe. Il est où le busque? Oh, elle est où ce busque? Là. X. Peinture. Alors, l'autre en bleu cyan et blanc, et non. Ouais, les noirs et rouges, quoi. Là, ça me coûtait cher, cette connerie. Oh, merde. Tu m'en donnes des conneries à faire, toi. Ah, attends. J'ai bientôt fini, si tu veux. Elle est vraiment... Qui est? L'armure. C'est ce que je suis en train de faire? Ouais. Ouais. Putain, je sais plus. Attends, mais je crois que c'est le go. Bah oui, mais attends. Si. Mais attends, mais c'est marqué normalement devant, non? Dissident, dissident. Regarde. Ouais. C'est bon. Je viens de comprendre. Hop. Dissident, dissident, dissident. Ça. En plus, je leur fasse tout le temps parce que là, c'est des bouts d'armure. Quand je vais les changer, j'aurai pas le choix. Dissident, 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 dissident. Dissident. Normalement, elle est toute changée. Quoi? Ouais, elle est sympa. Bah, elle est moins flag. Mais le casque, on dirait qu'il est pas fait. Non? Ouais. Il est vert. Ah si, regarde, les pieds sont pareils, ouais. Les genoux, ouais.
Bah c'est con, toi. Autrement, il y avait bleu cyan, mais... J'aurais trouvé ça bizarre, en gros. Tu vois que je change de couleur, moi? Ouais. Ouais. Là, que j'y mets comme ça. Que j'y mets comme ça, tu vois. Mais pourquoi il est plus beau comme ça? Juste quand tu l'actionnes. Attends, mais tu viens de dire que l'autre, elle aurait été bleu cyan, rouge et des autres couleurs. Elle aurait été dégueulasse. En peinture de scout pionnier. Mais là, il fait rouge et blanc, le casque. Regarde si je le mets. Attends, parce que là, t'es devant moi. Regarde là. Tu le vois, là? Ouais. Tu fais bizarre, non? Non. Après, il y a du blanc. Il n'y a pas de blanc sur mon armure. Non, je vais la remettre en normal. Oui, il y en a un petit peu entre les bras. Entre les bras? Ah bon? Ouais. En dessous des... les ailes de Bumblebee. Non, mais attends, il est bleu cyan, les jambes. Attends, voir les bras, sous les bras. Bras. Attends, fais voir, attends, je suis curieux là. Ah non, mais ouais, il aurait été bleu cyan. Mais alors, il sort d'où le rouge? Avec une tête rouge, ouais. Bah ouais, y'a aucun d'autre truc qui est de ce couleur là. Attends, fais voir, elle, deux secondes. J'ai aucun mode. Attends, mais je peux mettre du 3 étoiles dessus comme ça? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose entre vous et moi. Mais on gagne des pièces légendaires où? Tu sais que j'avais 35 légendaires sur moi? Dans les événements? Pourquoi je peux pas mettre le casque en légendaire? Je peux pas mettre deux dessus? Pourquoi je peux tout, c'est pas lui? Mon fou, je la mets full. Comme je l'ai tué sous le temps, je la mets full. C'est rare, je le fais, mais là. Mais faut m'expliquer pourquoi je peux pas faire le casque. Ça me fait chier là. Hein? J'ai aucun module. Là, j'ai la peinture. Et là, c'est la lampe. Pourquoi je peux pas mettre d'étoiles sur mon casque? Allez, le dernier, c'est pas grave. En fait, faudrait que je trouve le casque avec une étoile. Chance. Ah, il m'a laissé caméléon. J'ai gardé caméléon. Il m'a laissé exactement ce que j'avais. Oh, ma tenue, elle est full étoile, là. À part le casque. Je l'ai tué sous le temps, donc c'est le moment de le faire. Oh, mais tu l'as changé aussi, toi. Elle, c'est la X de roi. Oh, c'est celle que je veux. Mais tu la sors d'où, elle? T'as, elle est grande, elle. Je me rappelle, dans le 4, elle était grande. Elle est bien, elle. Normalement, elle a beaucoup d'armure, tout, elle. J'ai le bug. Pourquoi? J'ai le bug derrière. Ah, t'as le bug. Tu veux pas rentrer dedans? J'ai pas compris pourquoi je peux pas faire le casque. Je vous trouve plus sympa quand je suis bourré. Attends, comme un connard, j'ai fait des pièces niveau 35. Oh, je suis un teubé. Mon armure, elle pue la merde, en fait. J'avais pas vu. Regarde, 35, 45, 45, 35, faut que je les change les pièces. Bah là, je vais garder pour celle-là. Celle-là, je veux la passer full. Comme c'est la plus utilisée, je la veux full. Et après,
Je fais elle. Bah je fais après les autres. Mais faudrait que j'arrive à avoir un jetpack sur l'autre là. Toi t'as des jetpacks vraiment partout toi. T'es bugué là? Eh ouais, j'attends encore là, qu'elle rentre toute seule. Attends, fais voir, on va essayer un truc. Tu veux pas? Je peux pas, non. C'est marqué vous invite à échanger. Mais... Comment on pourrait faire? T'auras le bug. Cherche pas, t'auras le bug. Vraiment. Garde ouf ton truc. Et les pieds? Ouais, mais je mets l'autre écran. Puis... Ça va. Ouais. L'écran noir et blanc. Bon, on va partir. Bon. 30 secondes. Je pars. Oh putain, ouais, je vais y aller. Attends. On va partir. Est-ce que je prends une autre batteuse ou je garde mon fusil? Non, je vais y aller comme ça aujourd'hui. Vas-y, je pars une gare. Normalement, j'en ai une à côté de chez moi. Je vais regarder après si je peux quand même faire 2-3 balles avant de partir. Qu'on soit sûr. Donc là, on va ramener encore pas mal de choses. On va en faire, je pense, on va essayer de faire chaque fois maintenant une expédition. C'est qu'on la fasse au début ou à la fin, mais qu'on en fasse une. Parce qu'en fait, c'est énormément rentable. Ça donne beaucoup de pièces légendaires, que j'ai même pas vues. Et même pas que ça, les pièces qu'on gagne. Et là, faut que je me focalise. Mais si tu vois que je fais pas attention, fais-moi penser. Faut que je regarde les armures. C'est la que j'ai là. C'est comment elle s'appelle déjà la mienne? Merde, comment elle s'appelle la mienne? Exécutive, je sais pas quoi là. Mais en 45. C'est vrai qu'elle sort même pas en 50 elle. En fait, celle-là, elle est max 45. Et je la trouve super solide moi. Peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis 50. J'ai rien à péter moi. Il est où son atelier de merde? Non, là-bas. Putain, il devrait remettre Twitch comme dans le temps. Tu gagnes de l'argent à chaque fois que les gens viennent et repartent. Qu'est-ce que je gagnerais de la thune? Ah quand même. J'avais quelques grenades quand même. Ouais. Truc que j'ai jamais utilisé. Eh tu rigoles mais mon couteau je l'aime bien. Il tape hein. Ce petite merde là. Il me manque pas de pièces dans mon armure. C'est bien 5 pièces d'armure hein. Ouais, 4, 2 gants, 2 bras, 2 jambes. Ah bah oui, je suis content. Et un buste. Brassard. Pourquoi il m'en manque un? Ah non. Oh, putain, deux fois. Oh. Brassard. Jambes. Plastron. Non, il n'y a pas de casque. On n'a pas de casque avec les armures. J'ai jamais compris pourquoi ça. C'est vrai, pourquoi on n'a pas de casque? Je crois que j'en ai un. Avec les armures, normalement, on n'a pas de casque. Moi, j'ai tant eu des armures sans casque, moi. Même dans le 4, c'est pareil. Tu peux trouver des casques des fois comme ça. Tu vois, le casque de militaire, les trucs comme ça. Mais t'as rarement des casques qui vont avec la tenue. Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'as 5 pièces aussi toi? Ouais.
Après, t'as certaines armures aux enfants, attention. Tu peux trouver. Comme l'armure du pillard, je crois qu'elle casque. C'est pour ça que j'ai le casque de souris sur la tête là. Bah, pas de la souris, mais de la chauve-souris là. Et j'apparais dans l'eau. J'ai envie de mettre un portail derrière parce que ça. J'ai une idée. Je pense que je vais mettre un portail derrière. Je vais même en mettre deux. Alors attends, parce que avant de faire le con. On va essayer de les chercher avant. Ça peut être dans Kouai. Autant que t'arrives, j'ai le temps de faire ça. Putain, ça peut être dans quoi les portails? Bah, pas les portails, mais les petites barrières là. Ah, c'est défense, je crois. C'est ça. J'ai jamais compris pourquoi ils ont mis dans défense, mais c'est dans défense. Alors. Recycler. Recycler. Oh, ça y est, pourquoi je peux pas le mettre? Pourquoi? Impossible de placer support nécessaire. Mais tu te fous de ma gueule, espèce d'abruti de jeu? Oh, vas-y, ça pète les couilles, ça. C'est vraiment de la merde ce machin. Et je suis sûr que je peux pas mettre un sol. Ah oui, le jeu il est complètement débile. Ah, j'ai une idée. Ah, j'ai une putain d'idée. Ouais, mais ça pue la merde cette histoire. Si je mets ça. Et je retourne dans défense. Et je mets ça. Et je fais rond, carré, recyclé. Eh ben ça pue la merde. Bah pas de portail. C'est complètement con ce jeu. Pourquoi je peux pas mettre un portail? Alors je peux mettre une barrière mais je peux pas mettre un portail. Trouvez-moi la logique. Je peux même pas mettre un escalier dans l'eau. Faut qu'il y ait une fondation. Pour faire quoi? Pour mettre l'escalier. Pff. C'est quoi qui est par terre là? C'est des fondations qui est là. C'est mal foutu leur truc. Vraiment. On a même pas d'échelle. Si je mets un toit. Attends. Stocker. Je vais pas en faire 50 non plus. Ah, je peux même pas mettre un toit là. Ah bah si tu mets dessus, je vais pas y arriver. Mais comment je pourrais faire? Pareil, j'ai appris un truc, tu peux pas mettre un plafond sur une fondation. Mais pas besoin d'être... Non. C'est dans la rue. Eh bah. Allez, pas. Oui, mais pour faire plus joli, j'ai envie de mettre un portail quand même. Si je mets pas, ça fait nul. Ouais. Ça fait un trou, tu vois. Et moi, c'est pas mon but.
Bah, je pense que ça va être comme ça. Hein. À part la dernière fois. La dernière fois, j'ai pu. Comme par hasard, je trouve plus. Ouais, la dernière fois, j'ai pu. Putain. Trop classe. Voilà. Tout ça, tu peux voir le petit portail. Et il y a un petit escalier pour aller dans l'eau. Voilà. Et comme ça, il y en a deux. Il y en a un là et un autre côté là. Comme ça, chaque fois qu'on apparaît dans l'eau, maintenant, bah, on peut monter plus facilement. Sauf tu te prends 2 kg d'irradiation dans la gueule côté dans l'eau. Putain, j'ouvre. La fenêtre est cassée, j'arrive à ouvrir la porte. Alors, je vais regarder ça avant de partir. Donc, il faut que j'aille là. On fait X. 2X. On va dans munitions. Créer de la poudre. Hein? Ah mais j'ai plus d'acide. Je vais y arriver un jour à faire quelque chose ou je vais... En fait, depuis que l'autre il m'a tué, il m'a volé mes affaires, ça m'a mis un sacré handicap quand même. Hein. Tu sais qu'il m'a volé toutes mes armas de mes lots de métal. Hein. Tu sais qu'on avait fait. Bah oui. Non mais je pensais pas qu'un mec au niveau 400 va tuer tous les bas niveaux et piquer à toi tout le monde. Sans qu'un mec au niveau 1000 qui est gentil, qui aiderait quoi. À un moment il y a un mec qui l'aurait tué au niveau 1000, je le vidais. Et je me barrais tout de suite. J'aurais fait comme lui quoi. Heureusement qu'ils peuvent piquer que le bric-à-brac. Hein. Heureusement. La corde de raquette en bois x50, ça sera quoi? Ça sera quoi ça? C'est quelle arme ça? Quelle arme? J'ai des boules de plastique. Bah des boules de caoutchouc. Tu le sais toi? Non. Mais je sais pas là, il y a des munitions de ça. Putain le harpon ça doit tellement faire mal. Bah voilà, je peux plus rien faire. Prends ça, elle est où mon arbalète? C'est moi ou j'ai perdu mon arbalète? Ah, je l'ai peut-être détruit. Bon, bah tant pis. T'es prêt, toi? Ouais. Alors, attends, je pose mon arrière. Putain, ça me fait bizarre, c'est vrai qu'elle est plus jaune. Ça me change, moi qui ai l'habitude qu'elle soit jaune. Ah, attends. Armure, c'est où? Là. Réparer. Faut que je répare un bout. J'ai un bout de cassé. Bah un bout de cassé, il est pas fracassé, mais si je le répare pas, ça peut coûter cher quoi. Hop. Reparation. Réparer. Ouais voilà. On va mettre. Wow, on va faire un petit peu celui-là, comme ça. Y'a pas de jaloux. Voilà. Bon l'armure, je suis content parce qu'elle s'abîme beaucoup moins. Bah déjà d'une parce qu'elle est beaucoup plus solide. Hein. Ça aide hein. Bon, ça, pareil, je sais même pas si. Ah j'ai même pas de peinture sur ça. On n'a pas beaucoup de peinture sur les habits tout. Hein. T'es en train de faire quoi toi? Je regarde qu'est-ce que je pouvais. Ouais. Salut Les.
Salut. Laquelle? C'est pourquoi. C'est vrai, toi? Bah, quel style déjà? Tu voudrais quel style? Parce qu'après, il y a des styles que peut-être moi j'ai utilisé, pas toi. C'est sûr, le corps à corps. Très... Corps à corps? Non, je suis pas très fan. Après, pourquoi t'essayes pas un gun? On joue jamais avec des pistolets. Y'a pas le Desert Eagle ou une connerie comme ça? Je rappelle quelque chose. Qu'est-ce que ça, c'est vrai que c'est con que je peux pas aller dans la table aussi, moi. Bon, ça joue, c'est déjà bien. Non, on peut-être aller faire un peu de... d'expédition. Après, c'est des jeux, c'est dur à dire ce que tu peux faire, en fait, on va dire. Comme on dit, des fois, c'est... Tu dis, je veux faire ça, ça, ça. Et... Bah, des fois, une mission dure une heure. Donc en fait t'as vite passé ta soirée quoi. Ça m'arrive souvent ça. Pour ça je le dis plus maintenant. C'est quel jeu que je jouais que je disais souvent ça? Je dis oh bah aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça. Ah bah Fallout qui attend pas ça. Je dis oh bah aujourd'hui toi je vais faire un peu de ça, ça. Non j'ai arrêté parce que tu dis ça et en fait quand tu regardes ton retour t'as fait un quart de ce que t'as dit quoi. Bah après le problème c'est que tu fais des fois une mission, elle te dure une heure et demie quoi. Et des fois comme on disait avec Peter, des fois aussi, tu pars en mission, tu vois un petit truc à droite, tu regardes vite fait, ça t'emmène sur un autre truc, tu refais un autre truc, tu fais deux heures de trucs à côté pour faire une mission pourrait faire 30 secondes quoi. Ah mais normal que je peux plus rentrer dedans, je suis en armure. Qu'est-ce que t'as fait alors? Je joue avec mes cartes pour être capable de la faire. Ah putain c'est vrai. C'est un arme. C'est un arme que j'avais acheté avec des lingots d'or à la fin. Ah ouais? La première carte principale que... Oh non, je compte sur ce qu'on fout. Spirit Ghost. Dilbat, je préférerais trouver du psycho. Là, je suis vraiment obligé, là. Perdre du truc pour rien, ça. On s'occupe comme on peut, hein. Pourquoi il veut pas? Oh non. Je sais pourquoi. Faut pas le changement moi aussi. Bon mais comme ça pour l'instant et si j'ai besoin de trucs je sais que je peux l'enlever que j'ai pas besoin de ça pour faire un. Voilà. Bon on verra. Salut. Salut Dokohan. Donc t'es en train de faire quoi? Excuse-moi, je me rappelle même plus ce que tu m'as dit. Lance plasma. Ah tu t'as tenté le plasma? En fait des fois moi je suis limité sur des armes parce que... Ça joue sur quoi? Sur PS5. Parce que le... C'est les balles en fait. Mais toi c'est vrai que t'es blindé de base. C'est ça que t'as fait? Ouais. Attends fort. Attends, t'arrêtes pas de gigoter. Ok. Ah ouais. Toi, tu peux faire ça, toi? 141 de dégâts. 141? Et attends, mais tire 141. Une balle? Mais c'est quoi, ça? Ça tire balle comment? Vas-y, bourrine. C'est des...
c'est fou par coup. Ça va. Ouais, ça va, c'est quand même. C'est la même que la petite. Les mêmes balles que la petite. Vampire classement, ouais. C'est là. Il y a. Ah, un point, il est. Parfait. T'as de la balle au moins ? Ouais. 141, mais avec les balles. À l'ultra. Tu l'as foutu en ultracite ? Ouais. Parce que j'avais pas de cartouche plasma originale. J'avais juste à ultracite. J'ai plus de boîte de conserve. J'ai plus de boîte de chien. J'en ai marre de ça. La bouche, j'en peux plus dans ce jeu. Je sais pas ce que je peux bouffer moi. J'ai rien à bouffer dans ce jeu. Je peux te donner la moitié de ce qu'il reste. Combien ? Elle est où ? Mais comment t'en as autant toi ? J'en ai acheté beaucoup trop. Oh. Bah vas-y, c'est toujours mieux que rien, tu vois. J'ai rien, c'est dingue. 12. C'est nickel. Merci. Faut que je gagne un peu, moi, la boutique aussi. Il y a peut-être des trucs. J'ai vu ton petit sac, là. Bon, bah, t'es prêt ? Ouais. Bah, moi, non. En chocolat. Allez. Toujours Atlantic City. Ouais. Et il nous reste la promenade. Après, on pourra faire les autres aussi, attention. Hein. Au pit, par exemple, il va falloir gagner quelque chose pour être capable d'aller. Comment ça s'appelle hein? Hein? Faut aider les Samaritains à l'intérieur, faire des petites missions pour gagner. Comment ça s'appelle hein? Mais de quoi tu parles? Le pit, l'autre extension. Ah putain, ouais, je me demandais de quoi tu me parlais. C'est quoi? Ok. C'est des. Des bon, on n'y est pas encore. Allez go! Allez go! Expédition. Et pourquoi cette question Dokoana? Dokoana? Ouais, non, pas Dokoana, Dokoan. Parce que tu me demandais sur quelle plateforme je jouais, mais. Ah, elle est déjà partie? Adieu. Ça doit être un joueur PC alors. Ou peut-être Xbox, je sais pas. Et vous voulez jouer avec nous. Moi je sais pas comment ils font les gens, moi je peux pas moi. Franchement j'ai la vérité, je peux pas moi. Tu vois, je suis pas du tout timide, ainsi de suite. Mais je peux pas aller sur un Twitch de quelqu'un et dire vas-y je peux jouer avec vous et m'incruster. Je peux pas. Tu sais moi j'ai vachement. Je sais pas, je me sentirais pas vraiment à. Même si j'ai la chat tout, c'est pas pareil que si tu joues avec des amis, tu vois, c'est. Atterrissage en cours. Je veux dire, tu vois, nous, on peut rigoler sur des choses, on peut se permettre des choses parce qu'on se connaît, tu vois. Ouais. Tu vois, pareil, on joue entre amis, on joue en équipe. Je trouve quelque chose, tu le veux, je te le donne. Tu vois, tout à l'heure, on était chez Pierre, j'ai été en chercher pour toi. Que toi, tu joues avec des gens que tu connais pas. Les mecs, ça va être chacun pour sa gueule dans le ramassage. Et on peut pas dire le contraire, tu vois. Et même t'imagines, tu t'entends pas avec la personne. Moi je me suis toujours dit ça, tu vois. Et ça a déjà arrivé, hein. Dans le temps où je commençais, je jouais à Fortnite avec un ami. Je te parle de ça au tout début de Fortnite, hein, mais vraiment au tout début. Hein. Et on jouait avec un de mes grands potes. Et on avait une autre personne qu'on avait rencontré depuis très longtemps et qui jouait un peu avec nous, tu vois. C'est sympa, c'est un jeune en plus. Et une fois, il nous fait, je peux faire venir un pote, j'ai un pote qui veut jouer avec nous, ça dedans. Nous, c'est comme on connaissait lui, on dit bon, vas-y, ouais. Oh putain, moi ça va. Moi ça a été. On a joué pendant une heure, ça allait. Et à un moment ou l'autre, le mec il se la pétait un petit peu, tu vois. Mais moi je m'en battais les couilles, tu vois. Ça me gênait pas trop, je m'en foutais, je t'écoutais pas trop. Mais mon pote, c'est un mec qui a un peu le sang chaud. Mais même dans la vraie vie. Hein. Et lui, à un moment ou l'autre, ça commence à lui monter. La moutarde, elle commence à lui monter au nez, tu vois. Ah putain, à un moment ou l'autre. Et l'autre, c'est, c'était moi je. Oh, à un moment l'autre, lui, ça lui a saoulé, il a dit, mais tu peux pas arrêter avec, mais moi, je, putain. Il fait, tu commences à me casser les couilles. Oh, là, c'était parti.
C'était parti. Ah, pendant 20 minutes. Ah là là, les mecs, ils ont insulté tous les noms d'oiseaux. Bah moi ça me gonfle vite, mais là sous le coup ça, je disais rien, ça me foutait un peu, tu vois. Parce que d'une, c'était le pote d'un pote, et voilà, tu vois, moi, je respecte mes potes quand même. Mais c'est vrai que mon collègue, un de mes plus grands amis, parce que je le connais en réel aussi, lui ça commençait vraiment à le saouler. Et lui c'est pareil, tu vois, lui il est pas délicat comme mec, quoi. Et là ça commençait vraiment, et il voyait que ça nous saoulait aussi. Oh, c'est chiant les moi je, tu vois. Et c'est les gens qui ont chéri sur toi. Tu vois, je sais pas, tu vas dire, tiens, midi j'étais chercher du pain. Bah, le mec il va être, ouais, mais moi aussi, ce midi j'étais chercher du pain et des croissants. Tu vois, il va toujours en chérir au-dessus de toi, et c'est chiant ça. Le grand jeu extraordinaire. Pas de règles, pas de limites. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, Et il veut se mettre en avant. Un jeu aussi, je veux me faire voir, tu vois. Le jeu est divisé. Et l'accumulation de sous, bah mon pote a pété un câble. Appelez ça un test sous les ondes. Et après l'autre il est parti. Et on s'est retrouvé à 3. Et l'autre collègue qu'on avait commence à dire, ouais, vous avez craqué les gars. J'ai commencé à dire, vous avez craqué les gars. Et là c'est moi qui a pété un plomb. Je dis quoi? Il fait, ouais, vous avez pas respecté mon pote. Je dis, moi? Mais pourquoi tu me mets dans le temps? J'ai même pas ouvert ma bouche une seule fois. Arriver en tête pour nous libérer de quoi? J'ai l'impression un couteau. Véracieux. Attends, moi je suis en train de parler avec un mec, hein. C'est mon enfant. Je peux t'es parti, toi? Ça va te le faire. Et de quoi? T'as dû m'attendre? Parce que ouais, j'étais bloqué dans la conversation avec le mec, moi. Hein? Non, mais la petite cabane. La petite cabane. Ouais. Il y a un chapeau de plume, ça, il doit le prendre. Où? Derrière toi. Là? Ouais. Ouais. Ah, ça me fait un peu. Ça m'a un choc électrique. Je voyais plus. Ah non. Puis ça allait super bon là-bas. Bah, je me suis dépêché, donc je sais pas ce qu'il m'a demandé, le gars. Pour aller parler aux jumeaux. Attends. C'est vrai qu'on avait jamais rejoué avec le gars après. Ouais. Après c'était un jeune, tu vois, c'était pas trop mort, parce que moi je joue pas trop avec les jeunes. J'ai essayé plein de fois, hein. Je sais que des fois c'est un peu con de mettre tout le monde dans le même sac. Mais chaque fois on me dit ça, ouais, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et chaque fois j'ai donné des chances à jouer avec des jeunes, même sur mes serveurs tout. Et chaque fois on en est venu au même point. Donc maintenant je me dis vraiment que m'en bats les couilles des histoires des autres en me disant oui mais tu mets tout le monde dans le même cas, m'en bats les couilles. Franchement maintenant je préfère plus. Les seuls jeunes où je vais jouer avec ou que j'autorise, c'est les enfants de mes potes. Point. Parce que je sais que voilà. Parce que je connais le père, donc il remettra en place son gamin ou une connerie comme toi, il va dire on joue à Ark sur mes serveurs, demain tu veux faire revenir un de tes gamins, bah je vais l'acheter. Parce que c'est ton gamin, donc je sais très bien qu'il va pas chier de travers, autrement tu vas le remettre d'écart, quoi. Qu'en penses-tu, mon frère? Bah, c'est comme toi, t'es sous serveur et tu prends du plaisir, donc tu vas pas laisser ton gamin faire de la merde, tu vois. Il a l'air fort. Avec mes règles. Mais autrement, maintenant, non, fini. Et je me contrefous des réponses des autres, tu vois. L'incertitude. Je ne joue plus avec des gamins. Mais qu'en dites-vous? Oh, pauvre. Montre un peu de con. Très bien. Trop d'emmerde. Comme c'est votre premier. T'as simplement à dire. Oubliez-vous. Tout ce qui compte. Bienvenue. C'est con parce que oui, je sais. C'est ça, comme des gens disent. T'en as dit qu'ils sont bien. On a trouvé ce. Mais regarde, je te donne un exemple. Tu crois pas que t'étais sur le serveur déjà, toi? Nous avons un problème. Une fois, on a fait venir un gamin sur notre serveur, sa mère. On a eu sa mère en vocal. Un jeune qui cherche des serveurs depuis très longtemps, très gentil, personne le veut, tout. On a eu sa mère en vocal chez Takastra. Très gentil gamin. Bonjour, au revoir, merci, excusez-moi. Tu vois, voilà. On l'a accepté. On a fait une exception à Castra. On l'a accepté. On lui a juste dit un truc. On a dit, s'il te plaît, tu ne vas pas dans la vocale de tout le monde. Et tu dis pas que t'es jeune. Ça évite de foutre la merde. Ok. On joue. Il reste 3-4 mois. Franchement, rien. Le jeune putain de sympa. Toujours à l'aide. Tout le temps tout. Il rencontre une petite équipe là-bas. L'équipe des vrais connards. Personne pouvait piffrer. Tout le serveur pouvait piffrer. Des vrais cons. Des mecs qui foutaient la merde. Ainsi de suite. Et ce gamin commence à traîner avec eux. Donc nous, on a voulu faire dégager cette équipe.
toi, on a dit, bah, vous partez de l'équipe, mais on savait pas pourquoi. Et on lui a dit, bah, toi, reste, tu sais, on t'a. Et là, il nous a écrit en gros, il a dit, allez vous faire enculer. Et il a dit, en parlant de ça, je vous emmerde tous sous le serveur et j'ai 14 ans. Et je vous emmerde, je vous ai tous baisé. Et il est parti comme ça. On a fait quoi? Tu vois? Tu vois, même quand t'es gentil, tu laisses des choses, tu vois. Et on a dit, bah, c'est bon. Et là, bah, même Asra, hein. Asra, tu peux lui dire n'importe quoi, il te fera plus rentrer un gamin dans le serveur. Hein. Plus jamais. Vous êtes dans la mauvaise compétition. Bah non, c'est. C'est pour ça, tu vois, j'ai laissé beaucoup trop de chance à des gamins. Beaucoup. C'est tous les mêmes. À la fin du compte, ils seront toujours aussi cons. Dès qu'ils sont en groupe, c'est des petits. Ils font la merde, les gamins. Je te dis, les seuls gamins qui sont respectueux, c'est les gamins de. Bah, les fils des potes. Parce qu'ils savent qu'il y a le père je le connais, et voilà. Regarde, Lepso. Son gamin, il joue avec son serveur. Dans ce jeu, les saltins. Vous le savez même pas, il a jamais foutu le bordel, son gamin. Bah attention, le père je le connais très bien aussi, hein. Lepso, hein. Yama il fait un truc de travers, c'est une claque au cul, hein. Claire net et brisé, hein. Il a acheté une console par la fenêtre, lui, hein. Ah ouais. Ah oui. Ah bah le gamin il passe, mais lui expliquer. Son gamin est très gentil. Mais c'était les périodes où le gamin il cherchait un petit peu, tu vois. Avant qu'il se remette correctement. Il passe devant la chambre, il entend le gamin hurler dans le micro, fils de pute, tout. Il hurle dans la chambre, il fait, tu prends la tête à qui, toi? Ouais, des cons, tout. Il fait d'accord, il fait que tu commences à dire des gros mots comme ça. Pour la console, lâchez pas la fenêtre. Il a dit plein de temps, tu diras plus de gros mots. Ah oui, les sauts, oui. Très gentil comme mec. Mais voilà, après, c'est comme ça. Ces gamins, ils veulent qu'ils soient très polis et ainsi de suite. Hein. Et il a raison. Si tu montes pas tes enfants le bon chemin, ils vont faire de la merde. Bon bah attends, parce que là maintenant, attends, parce que depuis tout à l'heure ça fait 4 spectateurs, 5 spectateurs, 6 spectateurs, 4 spectateurs. Donc je vois pas ce qui est marqué en haut à droite. Parler... Orlando, ok. Donc c'est où qu'on doit aller? Approchez-vous de la zone de... Par où là-bas? Attends, il y a encore une note là. Pareil, il y avait aussi les enfants de... Des os, bah t'es inconnu les Des os, les Québécois. Ouais. Elle aussi, elle a une fille, lui. Des os. Pareil, lui. Hein. Lui, il essaie de vraiment... sa fille, pareil, elle joue à la Switch. Elle disait des gros mots une fois. Elle s'engueulait avec un gars. Oh putain, moi j'étais en vocal avec lui. Oh, même moi, j'étais obligé d'enlever le casque. Hein. Ah, t'as vu comme il a remis en place sa gamine. Ah ouais, mais il a raison. Bah, après, il avait raison. Hein. Il a dit, mais tu peux pas parler correctement, tu vois. T'es obligé d'insulter. Oui, mais il insulte aussi. Il fait les mecs, t'es obligé de faire comme lui. T'es obligé d'être aussi compris. Boboule. Je crois pas, je l'ai pas vu vert moi. Non. Non mais il a de la vie putain. Bah l'air d'être vraiment bien mon arme toi. Oh bien, bien, bien. Ouais, ça tire pas du tout. Mais ça fait si. Quand même si, il y en avait une. Boboule. En fait, tu vois, je t'ai dit qu'il n'y en avait pas, mais en fait, il y en avait une. Mais c'est vrai qu'à un moment ou l'autre, il y a eu des moments où il prenait pas de dégâts. Et après, il a pris des dégâts tout de suite, le bonhomme. Donc c'est pour ça que je crois qu'il n'y en avait pas. Et ils sont chiants de courir partout. Elle est quand même radicale, tout ça. Moi aussi, elle est horrible, la mienne. Hein. Petite batteuse pétage. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah merde. Oh bah oui, bah colle-toi à moi, t'as raison. Tu vas prendre plus de dégâts, mon copain. Ouais, ouais. Il je sais pas quoi. Il prend pas de dégâts. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Regarde, il est vert. Je la vois pas, la bouboule. Ah, il y a une bouboule ici, ici. Ah mais toi t'es parti là-bas tout seul. Ah bah c'est bon, on va bien, tiens, tu es lui là. Il est où? Il est où? Il est où? Il était devant moi. Il y a un truc à prendre là. C'est quoi? Un café? Oh, feu d'artifice. Trop classe, regarde.
Oh. Normal qu'il y avait deux boules, il y a qu'un seul. On a tout pris là. Je vais quand même fouiller avant d'aller à droite là-bas. Oh. Allez, on faut y aller à la force, à la vitesse. Pourquoi une... Oh putain, oui, viens. On a des plus de 12 minutes. Vas-y, vas-y. Pour avoir de meilleures récompenses. Attends, moi je suis obligé de prendre des munitions quand même. Vas-y, attends, je vais activer celle-là. Je sais pas si toi tu peux les activer. Tu me protèges ? Qu'est-ce qui... J'en ai marre de ce jeu. Faut qu'ils arrêtent de mettre les mêmes boutons qui soient pour descendre de cette putain d'armure. Tu dois laisser appuyer X. Et le problème, c'est que si tu laisses appuyer X, il sort de ton armure. Donc je fais comment ? Ah c'est bon, elle était activée. Ça l'active en même temps. Attends, t'as tué des gens toi ? Ouais. Parce que je profite de prendre des balles. Après avoir éliminé d'autres participants. On doit faire quoi ? Faire des émoticônes après avoir... C'est quoi ? Comment tu fais des émoticônes ? Comme ça ? La flèche du bas. Ça là ? Mais... Je comprends pas, je viens d'en faire jouer. Je sais pas compris. Oh, il y a une boule là ! On a tout fait là-haut ? C'est où qu'on doit aller ? Il y a un point par là-bas. Vas-y, vas-y, je te suis. Attends, je prends mes balles. Hop. Je suis obligé pour comment je perds trop de balles moi. Je recharge comme un gros con. J'arrive ! On fait tout ! À moi ! Allez. Attends, je fais le plein. Putain, j'ai pris la viande. Quel con. Je sais pas si tu peux toi aussi. Comme des fois, c'est chiant là. Ouais, vas-y. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je te proposais pas, parce que comme des fois, c'est moi qui dois le faire. Il y a des names. Vas-y, il y en a eu deux là. Par là-bas. Un autre en jeu là. Attends, mais il y en a pas plusieurs ? Au pire, on sépare ? Non, non, c'est pas ça. Ouais, et après, ouais, ça reste quand même dangereux. Je vois qu'il faut autant de balles pour en tuer un, là. Des fois, je prends un PL, là. Fais gaffe à ta vie, quand même, hein. Même si t'as de la vie, quoi. Ouais. Vas-y, j'active. Allez. T'as activé là ? Ouais. C'est quoi ça ? Moi je vois plus rien. Je vois que les angles. Tu vois plus rien que ce que je veux dire. Ah là ! Je vois plus d'ennemis. Je vois des ondes. Je vois plus d'ennemis et je la vois plus non plus. C'est quoi ce bug ? Ah bah oui, mais là, j'ai... Ah, roquette ! Bah tu les vois les ennemis ? Non, non, je vois plus encore. Fais-le ! Fais le vise automatique. C'est quoi ce bug que t'as ? Essaye de descendre de ton armure et de remonter. Vas-y, on reste là, on reste là. Vous ne pouvez pas sortir de l'armure aussi. Bah mets-toi en haut là. Qu'est-ce que je te vois ? Non. T'es bon ? Je te vois pas plus. Non. Quoi ce bug ? Je le comprends pas. Et ça te fait quoi en fait ? Je vois pas de lui, je te vois. Je vois juste son délire. Ouais, chaud là. T'as écroulé ?
Je suis quoi, je suis mort moi? Putain, il coulait. Attends, abandonné, on n'a pas le choix. Mais tant il coulait. Ouah, j'ai rien compris. En fait, il faut peut-être pas tuer les ennemis. Hein. Faut peut-être qu'on se bouge en fait. Vas-y, viens, on pré-shot. Hein. Part à fond sur les autres. Commence à partir sur l'autre. C'est bon, tu vois clair là? Non. Bah après pour l'instant on voit rien donc Mais c'est trop chelou ton histoire. Moi je cours et je fais des feux d'artifice. Vas-y. Moi je pré-shot. Je vois pas tous les ennemis là. Bah en fait toi, tant qu'on a appuyé lui, moi je pars. Ouais vas-y pars à lui au pire. Ah j'ai plus d'énergie. Je comprends pas le délire, pourquoi on avait pas de temps. Quoi, t'es sorti de l'armure? Non. Mais le temps. Le temps pour recommencer. Si. 4 minutes et 5 minutes. Ouais, mais pour le gagner d'une manière expéditive. Mais là, regarde, tous les ennemis sont morts, donc ça va plus vite. Putain, comment on monte là? T'es passé par où toi? Oh, tant pis, vas-y. Vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais aller au prochain. Voilà, tu vois. Voilà. En fait, on perd du temps parce qu'on tue des gens, mais on n'a pas le choix. Vas-y, go au prochain. Et toi, tu les vois pas. Je sais pas où il est le prochain. Ah, faut rentrer. Ah, c'est eux. Je suis rentré. Ces ennemis-là, là. J'ai pas compris, je suis rentré, moi. Attends un petit peu. Oh, je t'ai suivi. Les concurrents. Il y avait des ennemis dehors. Ouais. C'est eux qu'il fallait faire des émoticons. D'accord. C'est là-bas qu'un autre défi. Alors, toutes les ennemis qui sont marqués concurrents ont fait des émoticons après les avoir tués. D'accord. Et ça marche autant à moi? Ouais. Il faut qu'on se casse 10 fois. La victoire reviendra au plus méritant. C'était parfait jusque-là. J'ai pas compris ce que je dois faire. Je ne peux pas vous laisser passer. On doit aller là-bas. Ok, je vois des ennemis. Ah bah vas-y. Oh viens, je crois que c'était un copain. Ah, ça pue. J'ai besoin de ton aide. C'est pas un copain. Je suis à 2 mètres de lui, balle dans la tête. Je suis pas là pour rigoler quoi. Il va mourir. Mais qu'est-ce qu'elle veut l'autre handicapé là? Bon, désolé pour les handicapés, hein, j'ai rien. Mais... On est en train de nous poutrer la gueule de tous les côtés. Ça devient dangereux là. Il est où le gars? Le temps. Et qu'est-ce que je dois faire avec lui? J'ai pas compris. On fait des gens. Je vais mourir. Le problème c'est que tu penses pas à ton truc. Ça marche ou pas? Je l'ai fait ou pas là? Ouais, bien joué. En gros, je te dis bien joué, mais j'ai compris quoi. Bon. On se dépêche d'aller au point. Vas-y, commence. Ah, je prends juste des balles, désolé. T'es où? Je suis nul, moi. Là-bas. Ah, bah, le point, ici. Attends.
Parce que toi tu peux voler, pas moi. Faut vraiment que je prenne une armure avec moi qui fait voler. Où je dois aller là? Ici. Je vois rien, je te promets. Dans ah. le... Ouais. C'est bon. Le point était trop haut en fait, je le voyais pas, je regardais en bas moi comme un con. Ah, il faudrait que je prenne deux armures sur moi. Que je prenne l'armure aussi avec le jetpack. Parce que c'est vrai que des fois je suis vachement handicapé quand même. Hein. Après la mienne elle tank beaucoup. Hein. J'espère que le chargement ne compte pas dans le temps. Toi c'est vrai ouais. Oh que si, oh que si. Bon, on va y arriver moi je pense. Mes enfants à venir. Mais en fait petit à petit, même sur la loupe, vous on va recommencer, on aura plus d'ennemis. Je sais pas du tout où il faut aller, je vois pas le point, ça me casse les couilles. Vous êtes tout. T'es où toi? Montrez-moi là, avec vos moi. Talents. 12 points, 12 par là. Ici. Vous a été sélectionné hein pour défendre un volontaire innocent. Interagez ici. Ce dernier a sa propre tâche à accomplir. Ah t'es devant. D'autres chercheurs. Vous devez être mon escorte. Les laissez pas me tuer, par pitié. À sa vie. Aider ce volontaire à survivre. Je devrais m'arrêter en route pour récupérer. Bah ouais, mais on doit parler, comment on fait? On va le louper, hein. Protégez votre compagnon, je vais plein des poches de sang. Ouais, mais comment on fait? Il est 35 secondes là. 22, faut aller par là-bas. Merde, où? Non, putain, j'ai rien compris. Moi j'allais à l'autre là-bas, moi. C'est où faut aller? Pourquoi il suppose? Mais je sais pas où faut aller. Repoussez-les. Ben, l'autre point c'est une porte. Mais où? Parce que moi je vois que là-bas moi. Et je vois par le tuyau qu'on est rentré. T'es sûr que c'est par là? Ben, elle suit un peu. Non? Ben non, elle fait rien du tout, elle est complètement conne comme un balai quoi. Elle veut aller là. Ah bon, on a plus le temps. On n'est pas mort cette fois. Aïe, aïe, aïe. Putain. J'ai tout donné pour ça. Il y en a un, il a dit je vais tout donner. Je pense qu'il va tout donner, mais... Merde, c'est ma pote ça. Qui qui m'encule là, là. Bon, j'ai besoin de toi, je recharge. Aïe. C'est qui gire des roquettes en plein dans ma gueule? C'est bon. Il y a des gens vraiment pas sympas quoi. Je me prends roquettes dans la gueule. Merde, j'ai pris les missiles comme un con. Bon, je prends les missiles pour l'instant. Et on verra plus tard pour les jeter. Qu'est-ce qu'il veut lui? Et alors? Moi je prends c'est pour les bols. Hein. Ma récompense. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle fait en haut là? Oh, mon fou, en fait, pourquoi on speed comme des cons? On a plus de temps? On est tranquille hein. On peut farmer un peu. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre tâche? Eh cours connasse. Où tu vas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est... Ah, faut qu'elle récupère du... Tu m'attraperas pas. Elle parle à qui? Eh mais on est dans un aquarium. C'est joli ça. Et c'est pas un bunker qu'on connaît ça? On vient de péter la gueule là. C'est pas lui qui m'a pété la gueule, hein. Y'a un mec qui m'a tiré aux roquettes sur la gueule. Hein. Ah oui, c'est en bas. Putain, si tu récupères des calibres 50 par terre, ouais, si t'en as un peu pas mal, tu peux te montrer au pire. Faut que je les démolis. Faut gagner les trucs. Je suis pas sûr qu'il y en a. Parce que je les vois, ouais, je les vois qui sont dans les mains, donc des fois ça peut arriver qu'ils perdent les armes par terre. Putain, mais faut qu'il meure, il me casse les pieds là. Ah, j'ai plus de balles. Bah, j'ai plus de balles, je recharge, je veux dire.
Attends, hein, je vais charger comme d'hab. On fait le tour. J'ai pas trop le choix. Putain, j'en ai marre de prendre ça. Et des autres bonhommes. Je les entends. Putain, ça fait du bien. C'est qui me parle? T'es où toi? En bas, je fais le tour pour les munitions. Ouais, t'as raison. Mais pourquoi tu fais pas comme en carré? Tu fais carré, tu prends dans tout le monde? Ouais, mais je prends pas tout. Non, mais tu prends pas tout? Bah non, mais regarde, moi je fais carré. Regarde, je fais carré et je choisis ce que je prends. Comme ça, ouais, ça vise tous les corps de tout le monde. C'est ce que je fais. D'accord. Ah, parce que je croyais que tu faisais corps par corps, j'allais dire putain. Non, non. C'est pour fini. Tu sais que j'adore les aquariums, non? Oh, j'ai un petit poisson. Est-ce qu'on peut l'attacher? Qui, le poisson? Non. Ah! La fille. Merde. Ah, se fait attaquer. Bah attends, mais je suis même pas où vous êtes? Par là. Elle est partie en face. Mais en fait, je comprends pas le délire. C'est qu'elle n'avance jamais. Mais dès qu'elle avance, elle nous le dit pas et je sais pas où vous êtes. Mais comment vous avez été là-bas? Oh, il a acheté un truc qui m'a fait mal, lui. Mais comment je viens vers vous, là-bas? Faut faire un tour. Ouais. Ouais, j'ai remarqué. Mais moi, je peux passer par du tout par Tombo, moi. Je vais commencer à reprendre du son, hein, parce que j'en utilise un peu quand même. Hein. En bas, il est, non? Ah, mais elle se casse, hein? Vas-y, va le tuer. Vas-y, c'est pas grave, je prends tout. Je vais la suivre. Vas-y. C'est au cas où on a un défi de tuer, ouais. On est en haut, donc on est dans la pièce. Des fois, je veux le tuer quand même. Parce que ils sont pas tout seuls, là. Ils sont beaucoup. Ah ouais, mais ils sont vraiment beaucoup dans la petite pièce où on est. Ça va, heureusement que je suis en calibre 50 quand même. C'est bon, enlève la tête, c'est rigolo. C'est bon. Non, encore. Attends, je fais le plein. Pour avoir inspiré tout. Oh, il y a une balle, elle a dû passer à 2000 mètres de moi, ce que j'ai entendu, c'est le sifflement de la balle. Je vous offre la scène des vainqueurs. Montez sur le. Bon, on prend des signes pack et je les vendrai quand j'en ai trop. Je vais pas faire le choix. Elle est où? Votre victoire. C'est terminé. Ah, le UC3 ah. 3 sacs de ça. Ah, parce que j'allais dire, je l'ai pas vu partir moi. Là, je prends un petit coca. Eh ben, c'était. Fouf. Ça fait de l'action. T'as pas trouvé des balles calibre 50 toi d'ivoire? Non. Oh, moi, je veux vraiment un bunker comme ça, moi. Je veux un bunker. Full aquarium, je te jure. Attends, je vais aller chercher les balles que t'as tuées en bas, toi. Vas-y, je vais pas m'emmerder, je vais tout prendre. Je suis tombé. Bah, j'ai sauté comme un con. J'espère que je peux remonter. Il y a un mal qui a des. Aïe, c'est qui est pas content là? T'es descendu en bas vers moi? Ouais. Viens voir, il y a des trucs sympas. Regarde les dauphins. C'est pas les mêmes dauphins qu'on connaît, quoi. Le jour où je vois des dauphins avec des dents. Je me baignerai plus dans l'océan. Il y a un escalier ici. Ah, attends, juste deux secondes, ça te dérange pas. Je mets juste un autre truc à la télé. Tu vois, on va mettre ça au pire, je m'en bats les couilles. Hop. Voilà, c'est juste que j'ai pas envie d'entendre un truc qui répète 15 fois la même chose. C'est chiant ça. Et quoi, t'as fini un truc sur Netflix et après il te montre une pub, bah, d'un autre truc là, mais ça tourne en boucle.
tant que t'appuies pas dessus, donc c'est chiant quoi. Ça faisait 6 fois que j'entendais la même chose. Un petit peu, je veux juste aller voir de quoi. Il faut trouver un ourson. Un peu. Il faut trouver les mystère. On doit trouver des ours. Il faut trouver une peluche optionnelle. Trouver des mais on va trouver ça où? Sur la jetée. Sur la jetée? Bah, on est dans une espèce de bunker. Un paysage. Un courage. Oh, mais attends, mais c'est gros, c'est petit. C'est sûrement rien. C'est ça, truc. Jamais tu. C'est sûrement. Ah, j'ai entendu une peluche humaine. Voilà. Il y avait un ennemi, il était en train de poser une pêche. L'autre était en train de chier, donc il était pas dans le combat, lui. Qu'est-ce qu'une pantoufle fait dans la chiotte? Toi, tu m'as surpris, toi. Oui, t'es dans les chiottes, le gars. Ah, c'est ça? Oups, non. Quoi? Je vais la prendre. Ah, oh, j'en ai trois à prendre. Je dois continuer. Je dois trouver trois petites peluches. Si t'en trouves, dis-le-moi. J'ai un défi à faire ça. J'en ai vu tantôt. Le mec, il a bien en blanc contre un mur blanc. Je l'ai pas vu. Oh, il est mort, mais. Ouais, si t'envoies, ouais, pense à moi. Faut que j'en trouve 3. J'adore quand tu veux ouvrir un truc avec ta. Le tournevis et le truc, et le truc il est déjà abîmé quoi. Putain, si je devrais aider combien de fois je gagne des billets là. C'est dommage que ça sert pas à grand chose. Hein. Parce que je serais riche dans le jeu. Je tombe dans un trou. Si tu cherches où j'étais moi. Putain. Il a cassé. Tout ça pour me l'ouvrir en un coup. Capsule. Ok. Un marteau et un tournevis. Et un appareil photo cassé. Oh, un distributeur bleu. Avec un coca dedans. Donnez-moi des petites peluches. Mais sur la jetée, ça doit pas être sur les quais du début où est-ce qu'on parle de. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Sûrement, ouais. Tu la regardes. Tu pourrais faire une pièce un peu comme ça, toi. Bah, un peu plus jolie que ça, tu vois, mais. Dans un délire comme ça. Toi, tu mets un vieux poisson mort avec les yeux blancs sur une étagère, c'est joli. Eh ouais. Je devrais avoir ça dans mon. Ah bah tiens, regarde, on est dans un aquarium. Attends, c'est quoi que je pourrais récupérer là? Il y a un truc que je pourrais récupérer. Ah non, c'est que tu dois passer à côté de moi. Et c'est marqué, ce que je voulais. Attends, on peut monter. Trop classe les aquariums quand même. Oh. Mais c'est pas par ici que t'avais dit que t'avais vu une peluche? Ouais, il y en a deux ici. Attends, j'arrive. C'est quoi ces bruits que j'entends? T'as pas entendu? Non. Ah bah oui, bah c'est bon, je cherche pas, j'ai trouvé. Hop, j'ai fini mon défi quoi. J'ai même une petite pour remercier. Bah nickel, bien vu, merci.
Bon, bah maintenant faut qu'on trouve l'autre. Bah viens, on va voir ça, hein. On continue de fouiller. Oh, ok, moi aussi j'en ai. Ah, tu devais en faire aussi ? Ouais. Putain, mais je t'aurais dû le laisser l'autre. Ah, je sais exactement où aller, toi, qu'on a trouvé. Ah, mais tu peux prendre les mêmes que moi ? Non. Ah, ok. Donc là, j'ai pris les trois, t'aurais dû. Ouais, merde, j'aurais dû t'en laisser un. Je savais pas, moi. J'aurais évité de prendre le dernier, tu vois. Bah, si j'en trouve, je te le dis. Où est Charlie ? Bon, le problème est par là-bas. Bah, je vais essayer de. Trouver tes peluches pour toi. Je connais un endroit pour en avoir. Ouais, mais là on est là. Ça nous fait fouiller, ça nous fait former en même temps. Moi, j'aime bien farmer. On a besoin de farmer dans ce jeu. Pour les gens qui aiment farmer, hein, c'est des jeux vraiment. Moi j'aime plus. J'aime me battre, j'aime farmer, j'aime toi. C'est pour ça que j'aime le PVP tout aussi. Parce que le PVP, c'est. Pour moi, c'est mieux que le PVE. Alors, pas dans Ark. Dans Ark, c'est bien le PVE parce que, comme je dis, il y a la repro tout. Mais dans tous les jeux, c'est pour ça que je fais du PVP. Parce que tu peux farmer, tu peux construire, et tu peux te battre. Donc, c'est les trois trucs que j'aime bien faire, tu vois. Tu vois, comme DZ, je pourrais jamais jouer à DZ en PVE. Je vais dire, comme ça doit être nul en PVE. Bah, en fait, moi j'aime bien jouer à DZ, c'est que t'as le risque. Bah de farmer et de prendre une balle dans la tête. Alors c'est chiant, mais c'est le jeu quoi. À toi de faire attention, tu vois. En PVE, les mecs, ils en ont rien à foutre, ils courent partout, bah ils font pas attention derrière eux quoi. Comme il prendra jamais de balle par un mec. Que tu vois, nous, quand on se promenait avec l'aise, on marchait doucement des fois. Nous, ça nous arrivait de traverser de ville en ville, accroupi. Pour pas se faire voir par les gens, tu vois. Ça prend un certain temps. Ah bah oui, ça nous prenait du temps. Moi je marchais avec le snipe dans les mains, lui il avait bouché plus qu'il avait en arme, et on avançait comme ça. Et on avançait doucement, passait de arbres, on se collait aux arbres, on avançait, ouais mais on jouait à la stratégie. On faisait super attention en fait. Parce que le problème dans des aides c'est que tu meurs, tu perds tout. Et le problème c'est qu'on va dire, je sais pas, t'as trois ennemis en face. C'est pas comme dans Conan ou Ark. Conan ou Ark, tu meurs, tu réapparais à ton sac. Que des aides, tu réapparais pas à ton sac. Y a pas de sac de couchage. Donc si tu meurs, tu réapparais dans une des positions et aléatoire. C'est même pas une position que tu choisis toi. Donc ça veut... Voilà. Donc ça veut dire si t'es deux, c'est-à-dire si je me fais tuer ou là se fait tuer, je vais garder son corps ou il va garder mon corps. Mais le problème c'est que l'intendant, faut que lui se défend contre les mecs qui est en face. Et faut qu'il fasse attention et qu'il protège mon corps parce que c'est compliqué. Parce que moi le temps d'arriver, et ben, j'ai du chemin moi. C'est pour ça, c'est très intéressant. Après, c'est sûr que quand tu meurs, ça fait chier. Ça, je suis d'accord. Après, quand tu meurs par des conneries, tu vois, comme nous, ça nous arrivait des fois de mourir d'un zombie. Ou comme une fois, je l'ai tué sans faire exprès avec l'arbalète. J'ai voulu tuer un zombie, il est passé devant, je l'ai one-shot. Encore, là, tu t'en fous parce qu'il peut prendre son temps pour revenir. Moi, il m'arrive rien, toi, j'attends à côté de son corps et puis voilà, tu vois. Mais quand t'es en plein combat, bah là, t'es dégoûté. Parce que t'as une chance sur deux que je récupère mon corps, moi. Bah, tu vois, une fois on s'est battu. Ah, bah, ouais. Une fois on s'est battu. Heureusement qu'on s'est battu à notre base. Et tu vois, heureusement que j'ai arrivé à tuer le mec. C'était mon notre premier grand combat. Ah, tiens, j'ai trouvé une peluche. J'ai une peluche devant moi. Et heureusement que j'ai gagné le combat parce que Les s'est fait tuer. Bah après c'était un mec qui nous streamaquait un peu. Là il s'est fait tuer, j'ai pu tuer le mec pour récupérer l'affaire. Après le gros problème dans DZ, c'est que tu tues, mais si on te tue, on va dire on te tire dans le torse ou dans les jambes, il te pète tes habits. Donc des fois c'est bien le combat mais ça fait chier parce que tu perds tes habits. Et moi quand j'ai tué le mec, bah j'ai raflé le mec, hein. En plus c'était mon premier combat donc juste devant moi allez. Ouais. Attends je fais juste ma clope. Ah ouais, moi, toi, les jeux comme ça, c'est pour ça, des fois, on traversait, nous, des villes, mais accroupis, quoi.
Mais au moins on aimait bien parce que ça nous prenait notre temps. On était pas pressé en fait. Faut pas te presser dans des aides. Hein. Si tu joues dans un jeu comme ça et t'es pressé comme une merde, ne joue pas ce jeu. Vraiment. Bah t'y arriveras pas. Parce que tu feras trop de bruit, tu feras trop voir. Et en fait, tes gens, des fois, t'as des mecs qui sont, ils sont cachés pendant des heures dans un endroit. Nous, on a vu des mecs couchés sous les toits des bâtiments y attendre. Une fille qui disait qu'on entendait quelque chose. Ah moi aussi, j'ai entendu. Ah bah, on doit être à côté. Alors, elle doit être pas loin alors. Oh, attends, une table à détruire. Allez, viens là. Ah oui, elle doit être à côté parce qu'elle vient de dire allez, viens alors. Et pourquoi il me propose mon arme? Je comprends pas. C'est chiant ça. Elle doit être par là. T'es où toi? Bah pourquoi depuis tout à l'heure on est là, elle y est pas, et là on l'entend. Non, je suis pas capable de monter là. Un cube en bois. Fait longtemps que j'ai pas joué à DZ. Mais en fait DZ j'aimerais bien c'est qu'il le passe sur PS5. Et je suis sûr que le monde reviendrait beaucoup dessus. Mais t'as joué tout seul? Attends, t'es parti où? Mais tu sais que je suis plus où on sort, hein? Par là-bas. Ah ouais, ouais, par là-bas. Non. On est rentré par là-haut. Ici. Après, la communauté de DZ, elle est horrible. Hein. Oh, franchement, on a qu'on a joué, j'ai dit moi. On se plaint des communautés. D'accord. Toi, DZ, franchement, bah, l'aise pourrait même le dire. Hein. J'ai connu la communauté de Conan, qui est horrible. Ark, elle peut être casse-couille. Mais DZ, je crois qu'elle nous a, calmé. Hein. Franchement, la commune de DZ. En privé, elle est horrible. Ils sont tous des pioneurs. Tous. Je te jure, ils pourraient dire, laisse. Hein. C'est tous des pioneurs. C'est tous des bébés. Et tous à l'insulte. Pour un rien. Tu tues un mec en PVP. Hein. Tu tues un mec. Le mec qui t'insulte de tous les noms. Et il va pionner de tous les côtés parce que tu l'as tué. Ils sont même capables de dire, ouais, tu m'as tué qu'un snipe, t'es nul. Toi, tu peux même pas jouer avec des armes que tu veux, limite. Je te jure, la commune des Z, elle est horrible. Nous, on a rencontré un admin complètement con, mais bref. Ça, on a découvert plus tard qu'il était complètement con. Mais on l'a aidé parce qu'il nous faisait pitié. C'est quand même dur de dire ça, que quelqu'un te fait pitié. Ça craint, quoi. Mais c'est la vérité. On est arrivé sous le serveur et que laisse, on voulait jouer tranquille. Le mec, un admin un peu cassos dans sa tête, on va dire, entre parenthèses, se faisait maltraiter par tous les joueurs. Mais vraiment, hein. Tu vois, c'est pas des conneries, hein, je te jure. Hein, regarde, il y a laisse, hein, pour attendre. Hein. Le mec se faisait... insulté, rabaissé, arnaqué, tout ce que tu voulais. Hein. Et nous, ça nous a fait un peu pitié, on a voulu l'aider. Donc on a tenu son serveur avec lui. Voilà, pour à la fin qu'il nous chie à la gueule. Tu vois? Oui, quand tu aides les gens, faut croire que à place d'être remercié, vaut mieux te chier à la gueule. C'est plus sympa. Mais c'est là où on a découvert que la commune de DZ, elle est dégueulasse. Il y a plein de monde qui nous disait, ouais, mais t'as vu, tu verras, c'est comme ça, mais oui. En fait, au début, on dit, ouais, ça peut pas être pire que les autres jeux, tu vois. Ah, bah, moi, elle m'a mis des cartes quand même, hein. C'est pour ça que maintenant, si je joue à DZ, tu vois, on va dire, si je joue avec Les ou un truc comme ça, on joue dans notre coin, fini de papoter avec des autres, tout, parce que ça reviendra toujours au même. On tombera toujours sur des cassos qui vont t'emmerder. Regarde, j'ai joué à plein de jeux. J'ai live plein de jeux. J'ai live Conan. J'ai live Ark. Bah après, c'était mes serveurs, donc c'était pas pareil. Mais même que j'ai joué à Castra au début du jeu, on a live sur Ark avant que j'ouvre mon serveur. J'ai joué plein de jeux. J'ai jamais eu de stream hack. J'ai eu cette chance là. Je joue une seule putain de fois à DZ. Je me fais stream hack. T'imagines quand même?
En même temps, l'admin était pas là, était con lui. Hein. Franchement, le. Lui, c'était un con. Un cassos, c'est con. C'est con de le dire, hein, parce que je lui amène mal sur les jambes. Or lui. Non, il l'a pas, non. Mais ouais. C'était loup. Oh, loup, putain. Lou, c'est un mec. Toi, t'imagines cette mine là. Tu l'insultes de fils de pute. Et le lendemain, il va se mettre à genoux devant toi et va écarter ses fesses. Pour s'excuser. Que c'est toi qui l'as insulté, hein. C'est lui qui s'excuse de toi. C'est comme si toi t'arrives, tu m'insultes, et moi demain je te dis bah excuse-moi. Toi, le monde à l'envers, quoi. Bah, c'est ce qu'il faisait. Le mec, il y a des gars qui lui ont fait pourrir son serveur. Ils ont dégueulassé son serveur, abîmé son serveur, insulté de tous les noms. Le lendemain, ils viennent en vocal, ils s'excusent, le gars. Normal que personne ne le respectait, ce gars-là. Y'a un gars, pour reculer le serveur de 1 minute, il lui prenait 80 balles. Un truc, ça prenait un bouton, comme à la arc. T'allais sur un Nitrado, tu faisais juste recul, ça reculait le serveur. Le mec, il prenait 80 euros. On arrivait avec l'ES, on y a dit. Le mec, il ne croyait pas au début. Hein. Il disait, oh non, j'ai que lui. On y a dit, mais prends ton téléphone. Mais non, ça marche pas avec, avec le téléphone. Ah bah, on y a montré plein de choses. On a dit, mais mec, t'es con, quoi. Ah, c'était un sacré casse, gars, là. Après, son serveur, on l'avait bien aimé au début. Après, bah, on avait plus de plaisir, vraiment. Mais on l'a bien aimé. En fait, son serveur était bien, mais toi, le truc qui nous est chié, c'est qu'on. Tu vois, mon but, j'aime bien, moi, c'est streamer et tout. Et à la fin, on streamait même plus. On pouvait plus parce qu'on avait peur d'être streamac. Ça se saoulait, en fait. Parce que tu n'avais pas un qui était honnête, quoi. Mon dieu, il a retourné dans le. Dans le tube. Dans quel tube ? Où on était ? Voilà, l'aquarium. Ah ouais ? Ouais, mais ils disent pour faire quoi ? Monter sur le podium. Ah bah on a trouvé Luche, la pluche. Ouais. Bah attends, bah viens, on retourne dedans, on va voir ça. Mais c'était quoi la pluche, elle était où? Elle était dans une poubelle. Elle ressemble à quoi? T'as un ours. Ouais, faudra qu'on fasse une soirée des aides, ouais. Une petite soirée des aides. Peut-être pas y jouer comme on faisait beaucoup avant, mais faire des fois des petites soirées ou. Comme un streamer que je regarde des fois, bah je le regarde jamais en stream, mais je tombe sur beaucoup de vidéos de lui. Où il fait des games des fois, des soirs comme ça. Où il fait une petite game, il loue toute la soirée, il tue 2-3 mecs et après il arrête, quoi. On devrait faire ça des fois. Juste remettre un peu l'ambiance, tu vois. Peut-être pas jouer toute une semaine sous le serveur parce que. Comme je te dis, des fois, sont malhonnêtes les gens, tu vois. Et dès qu'il y en a un qui trouve ta base, c'est fini, mec. Il te lâche plus. Lui-même, des aides, tu peux pas streamer sans te faire démonter la foi. C'est ça qui me garde, en fait. On est obligé de cacher le nom, mais le problème, c'est si tu vas regarder s'il y a des gens en ligne, eh ben on voit le nom du serveur. Donc c'est un peu la merde, quoi. Qu'est-ce qu'ils mettent? Monter sur le podium. Mais il est où ce putain de podium? Ah, attends, elle est où la grande salle avec les chaises là? Mais non, c'est pas un podium là-bas, si? Attends. Où par là? T'es où? Mais comment t'es monté là? Attends. Attends, Mi. Je lui ai répondu en anglais en parlant de ça hier. Pas tout à l'heure là. Je lui remercie aussi. Et faut que je lire son message parce qu'il m'a réécrit, mais je sais plus ce qu'il m'a dit. Tiens, bah si, là-bas t'as rien. Peut-être là-bas, non? Bah, il y a un point là-bas. Hein. Ah, bah, je le vois pas le point, moi. Je vais être aveugle. Attends. Mais pourquoi toi tu vois un point et pas moi? Oui, carrément, quoi. Que j'ai parlé en anglais? Ah, tu parles de jouer un. Ah, oui, oui, oui. Ah. Okay. Allo! Pourquoi il y a une bombe nucléaire là? Bah non, parce qu'après je parlais de l'anglais après, c'est pour ça. Oh putain, ma vie!
Attends, je me fais des plans. Ça, tu te bats encore? Mais y'avait plus personne, moi. Quelqu'un, un retard d'appel. Ah. Putain, j'aurais fait carré, ça aurait été plus vite. Je pensais pas qu'avec des balles. Attends, mais t'es un mec, là. Comment elle arrive à parler? Elle est morte. J'aime bien si, tu vois, dans le 4, la différence avec celui-là, c'est quand ils meurent, ils éjectent leurs armes, tu peux les récupérer par terre. Là, je l'ai vu tomber, l'arbalète, et je la vois même pas. Je peux même pas la récupérer. Je sais même pas où elle est partie. Bon, t'es où? Derrière. Mais ouais, ouais, faudra faire une petite soirée un jour. Petite soirée. Déjà. Ouais, mais. Je suis d'accord. Mais après, j'aime bien la deuxième parce que je la connais pas. Donc ça peut faire des séances un peu plus sympas. En fait, la première, on connaît un petit peu. On pourra en faire aussi, attention. Mais des fois, on pourra faire des games sur la 2. Au moins, on. Je veux dire, ça peut être un peu plus tôt. En fait, ce que je veux dire, la première, on la connaît un peu plus. Donc, ça veut dire, on va se permettre de faire des choses un peu plus libres, tu vois, parce qu'on connaît la map. Que la deuxième, comme on la connaît pas vraiment, bah moi, je la connais pas. Donc, ça veut dire, on va faire les mêmes choses qu'on a fait que dans la première. Donc, ça veut dire, on va se promener plus accroupi, on va faire vraiment plus attention. Même si on va le faire dans le 1, attention. Mais tu vois, on connaît un peu plus. Tu vois, qu'on va arriver dans une ville qu'on connaît par cœur, je veux dire, bah vas-y, c'est bon, viens, on court jusqu'à là-bas. Que l'autre, on va faire vraiment attention. Tu te rappelles, les seules fois qu'on a joué sur la nouvelle map, on a fait de la belle action. Hein. Quand j'ai tourné le virage, le mec était juste en face de moi, j'ai bourriné quand on s'est tué en même temps. Que toi, après, t'as tué le mec en bas dans la maison. Moi, je trouve, dans la deuxième, on a fait quand même des belles actions. Hein. Bah, j'avais un serveur qui était vraiment bien. Mais je sais pas s'il est toujours là. Hein. La dernière fois que j'avais joué, là, j'avais un serveur où j'avais trouvé une caravane, une tente avec des M4 dedans. Il était bien celui-là. Après, je sais plus si c'était français le serveur. Mais il était pas mal. En face. Aïe! Putain, c'est bien fait ça! Il m'a mis un coup de masse, ça m'a stone. C'est moi ou ils prennent 0 balle? Tu aussi? Non. Ah. Ouais, ça descend, mais. Il en faut quoi. Regarde, t'es en train de lui bourriner la gueule, tu lui bourres la gueule. Il est toujours debout avec sa masse. Je sais pas c'est quoi qu'il me fait là, mais ça me fait comme une maladie là. Regarde ce que je lui mets. Je vois plus rien. Elle est où? C'est quoi ça? T'as vu la vie qu'ils ont? Ah, c'était un boss. Attends. Ouais. Et il est où l'autre qu'on a tué avec la batte? Merde, il était où? Il est là. Juste un genou, il est pas. Ah bah c'était deux boss en fait. Ah merde. Parce que je voulais me loot. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? On les laisse là. Demande de partir quand tout est prêt. On a fini? Ouais. Ouais, t'es court le long. Là, j'ai racheté un jeu là. Bah, pas pour tout de suite. Hein. J'ai racheté à Daily Night. Il était à 9 balles. Je voulais me le racheter parce que moi je l'ai en CD sur PS4. Donc je peux pas y jouer sur la PS5. Je l'ai racheté 9€. Là, il est en promo. Avec toutes les extensions. Mais vraiment toutes. Donc là, je l'ai pris parce qu'en fait, ce jeu, je le connais. Je l'adore. Pour moi, c'est un de mes jeux préférés aussi. Et je n'ai jamais fait les deux dernières extensions. Donc, bah, comme ça, je pourrai en profiter. Et en plus, c'est un de mes jeux favoris en zombie aussi, donc. Et ça, c'est un jeu aussi qui joue à plusieurs. Y a que le boss final où t'es obligé de le faire tout seul, c'est rigolo ça. On a jamais compris pourquoi. Tu fais tout le jeu à 4, ou à 3, ou à 2, et quand tu bats, t'arrives au boss final, bah chacun se le fait solo. Que
pourquoi tu te bats sur le bâtiment. Mais après c'est normal parce que t'as des interactions à faire en fait. T'as des esquives à faire avec R1, R2, et si tu joues à 4, bah tu le ferais pas parce qu'on bourrine un arrêt comme des bois, hein, et on le tuerait en 2 secondes que t'as plusieurs étapes à faire en fait. Je peux comprendre le truc solo. Attends, y'a un mec à parler là. Je me suis toujours demandé ce qui fait un véritable champion. Est-ce le feu dans ses yeux? La force de ses muscles? L'avidité en son sein? Chaque vainqueur a sa propre autre personnage. Quelle est la vôtre? Hein? Il y a un autre personnage là. À parler? Je sais pas s'il faut y parler. Parce que. J'enseigne à mes enfants à avoir confiance en eux. Cela ouvre la voie aux opportunités et laisse libre cours à l'éclosion de leur potentiel. Mais normalement, il faut lui retourner à l'hélico pour parler. Je comprends pas là. Elle dérobe le prix le plus précieux de son lustre. Parce qu'elle nous parle de partir, mais elle est, c'est à elle. La plus adulée, en un bouffon. Les deux autres, faut aller retourner à l'hélico. Manier votre confiance avec élégance, sensation. Quoi, elle a un pouvoir, peur elle. Qu'elle ne devienne votre disgrâce. Elle a un hélico dans sa poche. Laissez-nous faire. À présent, fermez les yeux. Ah non, on part. Emplissez-vous de pensées heureuses. Bon, bah tant pis, hein. T'es parti aussi? Eh oui. Je pensais pas qu'on partait comme ça. C'était bien, mais je préférais les deux autres. Ouais. Le casino, j'avais bien aimé, moi. Même la première était bourrine, hein. Parce que quand t'étais dans le jeu direct et... Comment? La première, on pourrait la réessayer. On avait oublié une mission optionnelle. Ouais, effectivement, c'est vrai. Pas con. Bon, parlez à Lennox. Pour partir. Ah bah c'est bon. Attends. Parlez à Orlando ou parlez à Lennox. Mais attends, on peut-être parler à Orlando. On n'a pas fini en fait. Ben oui. Donc ça va faire exactement comme l'autre, faut qu'on trouve Orlando là. Il est où ce con d'Orlando? Dis-moi pas que c'était le deuxième mec qui était avec elle. Non, c'était un Cruz. C'est quoi du taille tripper? C'est quoi ça? Des trippers? Ouais, j'ai jamais eu ce médicament là. Tout de suite de la drogue quoi. C'est vrai que vous aussi la drogue, vous dites c'est des médicaments pour vous. Non, mais tous les médicaments, eux autres, dans le jeu, c'est tous des drogues, je crois. Oui. Ah tiens, regarde, je vais en prendre deux. Ah non, bah j'en prends qu'une. Putain, je voulais t'en laisser, mais j'ai pas vu. Si, y en a une de pleine là. Tiens, je te laisse l'autre à droite. Comme ça, on a une chacun. On prend du vin. Allez, je te laisse le vin. Putain, je bois une petite bière, moi. Je vais boire un petit vin. Tiens, prends-en un autre, t'as une autre bouteille encore. Une autre bière. Une autre bière. Je vais me péter le crâne, moi, je te le dis. Tu prends pas le vin? Eh ben, je le bois. Non. Le mec, il boit tout comme ça, toi. Normalement, là, j'ai une gueule de bois. Je vais me mettre 3 bouteilles de vin rouge, ça joue, hein. Mais si tu tiens l'alcool, ça joue, hein. Le vin, c'est très chaud. Moi, c'est une des alcools qui est traite. Parce que le vin, tu vois, je peux en boire, mais je trouve ça met vite une claque. Tu vois, je vais boire, je sais pas, une connerie, hein. Bon, après, ça fait longtemps que j'ai pas bu, je bois pas comme j'étais plus jeune. Mais tu vois, je pouvais boire, allez, 8-9 verres de whisky coca. Franchement, ça va aller. Mais vraiment. Et je vais boire 8-9 verres de vin rouge ou de blanc tout, et bah, ça va jouer un peu. Tu sais, ça va chauffer, tu vois. Je sais pas, le vin, j'y trouve traite. Au pur, c'est la bière. Alors, la bière, je peux t'en boire des litres et des litres. Bon, maintenant, ça peut-être changer, parce que... Je bois beaucoup, bah, presque plus du tout, donc...
J'ai plus la même. Et même, j'ai remarqué un truc aussi, plus tu prends de l'âge, plus tu résistes un peu moins bien, et plus quand tu prends une cuite, ça dure longtemps, tu vois. Les gueules de bois, elles font beaucoup plus mal. Ce que t'avais 18 ans, je te jure, tu prenais une cuite, lendemain, tu repuvais une bière, c'était reparti pour la journée, tu vois. Maintenant, à 30 ans, tu prends une cuite, le lendemain, pour 20 jeux. On dirait que t'as pris 70 ans, tu vois. Il est où, ce putain d'Orlando, là? Hein? T'as dit quoi? Il y a une porte quelque part. Il y a une porte quelque part. Ah, pour tout. Quoi? Reviens. Tu vois, je suis là. Ta boussole, là. Il y a une petite porte, là. Là-bas? Ouais. Vas-y, va viens. Mais moi, je la vois pas. Et comment on y va, là, à droite? Parce que c'est pas du tout par là. C'est sûrement un chemin qu'on a pas pris. Ouh. C'est un bug et c'est pas dans cette map là. Ouais, je pense pas vraiment sur ça, moi. Je trouve ça bizarre. Pourquoi il y a deux points aussi là? Ah, mais c'est lui qui joue de la musique là. Je pense pas eux, non? Non. Attends, viens, on retourne là-bas. Alors, c'est où qu'on avait été nous? Attends, parce que là je suis perdu, putain. On est parti où tout à l'heure nous? Vas-y, il fait le tour. Il y a peut-être un tour à faire en fait. Hop. Oh, il est corps. On va regarder s'il y a des passages. Hein. Ce qu'on a dû. On a dû louper des choses. Peut-être juste ça. Oh, ça y est, je me suis coincé. On t'est démarré. Oh. Ouais. Oh, c'est longtemps, tiens. Putain, on a oublié un. Ah, on va faire le tour, on va voir. Ah, il y a une porte. Il y a des gens. Elle a du recul quand même, l'arme. Hein. Il manque une poignée. Je vais changer d'arme, vous allez moins rigoler, les gars, je vous le dis. Hein. Là, je fais le point avec cette arme-là. Je vois pas le con avec moi. Encore. Et où le troisième? Je t'ai tué? Ah non, il est pas mort. Il y a pas de cheveux doux dessus. Je suis vraiment en train de regarder Pokémon quoi. Comme c'est grave vieux quand même. Les premiers Pokémon. Eux ils ont tout déchiré quand tu regardes là. Quand tu regardes Pokémon, c'est un truc de dingue, hein. Tu dis pour un petit dessin animé à la con, ils ont fait un carton, eux. Des millions de personnes ont regardé ça. Tu regardes avec toutes les conneries qui sont sorties à côté. Ils ont fait un carton dans les jeux vidéo, la Game Boy, les PlayStation, les consoles, Nintendo, ouais, tout. Les produits dérivés de la série. Tout, c'est clair, les t-shirts, les cartes Pokémon, tout. Ils ont fait un truc de fou, eux. Le créateur de Pokémon, franchement, il doit être bien, lui. Hein. Il doit être sur une île tranquille.
Et on parle de Pokémon, quoi. Et les génies ont réussi à en ressortir un pour relancer la mode. Les génies ont sorti un. Ah oui. Bah Pokémon Go aussi. Hein. Oh, je sais pas vous au Canada, mais nous en France, ça a été un sacré bordel ce truc. Hein. Oh, oui. Tu sais qu'il y a eu des gens tarés. Hein. T'as des gens qui rentraient dans les cours des gens en jouant à Pokémon. Ouais. T'as des gens qui ont eu des accidents parce qu'ils traversaient la route sans regarder parce qu'ils jouent à Pokémon. Ah mais un truc de fou. Merde. Il y a plein de poupées qui font peur ici. Et leurs cartes, ils ont eu des cartes de malade et c'est... Non, Pokémon, ça a été un truc de dingue. Et quand tu regardes la réalité... Ah oui. Quand tu regardes la réalité, c'est quoi? C'est des mecs, des gamins, déjà. Tu regardes la logique. Il a quel âge, Sacha? Il a 10 ans quand il sort de chez lui, là, le truc de au début. 10-14 ans, on va dire, grand max. 14 ans. Sa mère lui dit... Pars faire le tour du monde à 14 ans. Déjà, elle est indigne, la mère, déjà. Tu laisserais jamais ton gamin de 14 ans faire le tour du monde, quoi. Okay. Tout seul avec sa souris. Et le but, c'est de prendre des Pokémon, bah, de capturer des animaux sans leur demander le choix, en leur tapant sur la gueule. Et après, tu fais des combats de rue avec des animaux. Comme si nous, on prenait des chiens et on faisait des combats de chiens. Bah, c'est exactement pareil. Et t'as deux personnes qui s'appellent la Team Rocket qui veut kidnapper un Pokémon, voler une bête, et les flics disent rien. Il y a des méchants ici. Hein? Vous voyez, là, je vais te lever je vois dans un temps. Oui, tu m'as pris les yeux. Ouais. Mais c'est pas grave, je me suis écarté. Je suis dans le viseur après. Oh, tu as tiré dans quoi? Avec quoi? Pourquoi il a volé d'un coup comme ça sous le côté? Je sais, avec ma lance aussi. On dirait qu'il a tiré un coup de pompe. Tu sais, là, ça l'a plié en deux, il est parti sous le côté. Allez, hein? Il reste 30 minutes. Mais pourquoi? Mais là, j'en ai arrêté à cette heure-là, le serveur. Ils arrêtent à 8h du matin. On va sortir du serveur. Ah, on est le week-end, ouais. Il doit avoir une petite maintenance ou une connerie comme ça. Ah ouais, mais là, on se fait niquer. Il reste combien de temps? 29 minutes. Ah bah vas-y, viens, on prend le voyage. On se dépêche. Parce que j'ai peur qu'on perd tout. Au pire, on reviendra. C'est par où? C'est pas. Putain, j'ai pas d'endurance aussi. Si, c'est bon. Je vais y arriver. Autrement, j'ai peur, moi, qu'on récupère pas les trucs. Je sais pas comment ça marche, ça. Et j'ai pas envie de tenter. J'y arrive là. Normalement, c'est bon. Je laisse l'écran. Ouais, mais normalement, quand moi je vais cliquer, ça va t'emmener. Normalement. Tant pis, on reviendra. J'ai pas trop ce qui est mort dans ce. On peut filer dans les cieux. Montez à bord, je mets le contact. T'as emmené? Ouais. Nickel. Oh, trophée! Terrain de jeu Amérique. Allez, le jeu dépêche, on doit partir. Alors. Bah, ouais, la dernière mission. 3, 4, 5. 15 timbres. Module légendaire. Ça va. Putain, casse les couilles, Ricky. J'ai plus un Ricky qui marche, j'ai pété un câble. Oh, demain, mais dimanche. Ah putain, demain je vais galérer alors. Oh, quand même, on a gagné quand même quelques trucs. Mais tu vois, lui aussi, on a oublié un truc, c'est pas grave.
au moins là, on a été remboursé de nos affaires. Parce que j'ai peur que c'est qu'on part et ça ne lui compte pas. Ouais. Je préfère pas prendre le risque. Mais si je me souviens bien, on a juste à changer de session. Oui, oui, bon, on va attendre 2 minutes, hein, ça va faire une pause. Là, l'intendant, je vais regarder vite fait les affaires qu'on a gagnées. Il nous reste 27 minutes. Alors. On détruit tout. Le pitolet. Ça, je garde. Ça, je détruis. Ça, je détruis. Ça, je détruis. Oh, je gagne un lance-flamme 2 étoiles. Putain, c'est pas si lourd que ça. Une clé serre. Une taille de laser au drone. Oh, je vais te passer un bout d'armure. Et je vais voir. Attends, je regarde après. Il y a moyen. Oh, c'est quoi ça? Regarde les griffes que j'ai. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Regarde les griffes que je gagnais. Ouais. Il y a un bout d'armure que je vais te filer. Et je vais regarder si tu pourras me remettre le poids dessus. Mais il faudra que je fasse la comparaison avec la mienne. Parce qu'en fait, je viens de gagner un bout d'armure qui est à moi, qui est la même que moi. Sauf elle n'a pas le 10 de poids. Donc je vais voir, comme je sais que toi tu peux me le mettre. À part si je peux le mettre maintenant, je sais pas. On va aller voir ça. C'est dans quoi? Deux. Pour mettre le 10 de poids. C'est large poche. Quoi? Dans les modes. Dans les modes. Large poche, ça rajoute 10 ans. Ah bah je peux. Ah bah je peux pas. Pourquoi? Ah, mûrier, je l'ai pas. Ah, mais attends, il y a peut-être moyen, je peux. Si, attends. Il y a peut-être moyen. Parce que j'ai pas mis mes cartes, je vais regarder après. Il y a moyen. Autrement, je le mettrai. Il faut que je voie si elle est mieux que la mienne ou pas. Parce que là, c'est un bout de 3 étoiles que j'ai. Je suis obligé qu'elle est mieux que la mienne. Je suis trop con, moi. Il reste combien de temps? 24 minutes? Bon, si, je peux le faire. Pourquoi je peux pas sortir de chez moi? La terre entière. Écoute, tu regardes maintenant les Pokémon. T'as 8000 Pokémon maintenant. Nous, on en avait 150, quoi. Maintenant, il y en a 8000. Ouais, avec plusieurs variantes selon la région où est-ce qu'il se trouve. Ouais. C'est trop cool. Ah, j'ai pu le mettre. Ça y est, je suis grand. J'ai besoin de toi. Et attends un peu. Attends, je mets juste mon truc. Ouais. Si je fais ça. T'as quoi? Bras gauche? Ouais. De X0. J'ai eu un bras gauche 3 étoiles. De X0. Ah! Ah, il faut qu'on y regarde, ça c'est vrai, on peut la trouver. Y est volé. Il est où mon putain de plastron de merde, moi? Ça, c'est le mien. Donc, 86, 86, 10. Et c'est un 50. Et où le plastron que je viens d'avoir? Pourquoi il est moins bien? Pourquoi mon plastron est mieux que le mien? Que celui que je viens de gagner?
Ah, parce que c'est un 50. Et lui, c'est un 45. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Tant pis. J'étais content, bah tant pis. J'ai fait mettre un truc dessus pour rien. Tant pis, tant pis. Non, tu dis ça, mais il y a peut-être une chance que c'est tous les serveurs qui s'arrêtent là. Il manque quoi aussi? Mais semble que non. Je crois que nous autres, ça faisait ça. On faisait seulement changer de serveur. Ouais. Oh putain, je sais plus quel c'est. Oh, je suis un teubé. Ah si, c'est celle-là. Voilà. Bon, ça me laisse le temps de faire mes armures. Ultracide. Fais chier l'ultracide. Faut que je fasse toutes mes maisons après pour les remettre les armures. Ça, c'est nul ça. Il doit faire un truc où tu la prends dans un endroit. Dès que tu changes, tu la remets dans les machines. Ça les remet partout. Parce que je trouve ce con là. Faut tout je remets après. Bras gauche. Ah mais mes deux bras gauche, t'as pas besoin toi d'un bras d'ultracide? Non. Si j'en ai un en étoile. Si je détruis un bras d'une étoile, est-ce que je peux gagner un objet d'une arme? C'est un truc légendaire d'une arme. Répète ta question. Si je détruis une étoile, le bras là, le bras d'une étoile, est-ce que je peux gagner un objet qui pourrait se mettre sur une arme en légendaire? Je ne sais pas. Je crois que c'est. Tu pour les armures? Ouais, armure. Bon, ça y est. J'ai scrapé ma maison. Ah ouais? J'ai deux morceaux de mur que je peux pas enlever. Et ils flottent dans les airs. Ton ancienne maison? Ben, celle que je suis en train de construire. Mais pourquoi tu as deux murs en verre? T'as détruit ta maison? Non, j'essaye de modifier le toit. Mais comment tu fais pour avoir... Attends, t'as deux murs qui a bégué? Je vais garder ça après. Ouais. Bon. Je vais couper le live 2 minutes les gens et je le relance après. Le temps de faire un café, de changer de serveur et on revient. Ok? Parce qu'il faut que je relance le jeu. Vas-y, à tout de suite les gens. Et merci pour ceux qui sont passés et bonne nuit pour ceux qui vont se coucher.